Hey! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle partie solo sur Eon's End, la suite de la campagne de Outcast. Euh, nous sommes rendus à la mission 3, me semble-t-il, parce que la dernière fois, on avait battu euh, le porteur de rêve en mission 2. Euh, le... Non, le voleur de rêve en mission 2. Euh, et du coup, on va partir sur la suite de notre expédition. Alors, on va voir. On avait débloqué un nouveau mage qui s'appelait Q. Euh, mais nous n'allons pas jouer avec, nous gardons notre petite équipe qui va bien, que je présenterai juste après. On va commencer par poser quelques bases euh, narratives. Euh, voilà, donc ça c'est le bouquin de narration. On est au début de la bataille 3. On a rajouté Q comme, euh, comme, euh, comme personnage, qui est la fille, qui ni, 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 ni plus loin que la fille de Xaxos. Euh, on a rajouté des nouvelles cartes dans le baraquement, on a rajouté euh, euh, des nouveaux trésors et tout, et on est parti pour l'introduction de la bataille 3. Donc je vais vous narrer de ma voix superbe euh, cette, cette bataille 3, sachant qu'évidemment hein, je possède la traduction, bien évidemment, de tout cela. Alors, ouais, Bataille 3. Je cherche dans les fiches, Toi, je ne crois pas que j'aurais pas pu préparer, mais... Euh, J'aurais pas pu préparer mes, mes feuilles avant, mais non, trop simple. Voilà. Alors, la bataille 3. Euh, donc, grosso modo, tout le monde suit Xaxos dans le monde de, de l'éther. Euh, Xaxos nous guide, euh, nous guide à travers ce, 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 monde, ce monde de ténèbres. Et, euh, et ben, il est là pour nous protéger, parce que ben, sans lui, on ne pourrait pas respirer euh, dans, cette, dans cette atmosphère vraiment. Euh, après, il est nauséamonde et, et, et très, 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 très démoniaque. Donc, euh, vu que lui vit là-bas depuis un petit moment, c'est un peu le problème de Xaxos, hein, de vouloir vraiment s'accaparer les pouvoirs du, de l'éther, les pouvoirs des, des failles du néant. Euh, il a réussi à, à, à s'accoutumer à vivre là-bas. Et du coup, il nous permet à nous de nous déplacer là-bas pour faire nos, nos missions et partir un peu, enfin, euh, explorer cette zone pour protéger New Greyfold. Le truc, c'est que maintenant, nous devons protéger Xaxos. Alors, Xaxos, il va pouvoir gagner des charges. Quand il aura gagné des charges, il va pouvoir utiliser certains pouvoirs, certaines capacités spéciales qui sont juste vraiment très, très, très puissantes. Mais pour cela, il faut qu'on le protège. Et donc, c'est lui qui a 30 points de vie au départ de la partie, et non plus Grévol, tout simplement. Voilà. Donc vraiment un petit twist très sympathique euh, parce que la première mission on protège New Grevold et à partir de la seconde mission nous protégeons Xaxos dans la faille et c'est vraiment très sympathique parce que bah, là, je l'expliquerai après euh, comment ça fonctionne, même si j'explique à chaque vidéo, je préfère re re refaire un petit bout d'explication à chaque fois. Euh, ça permet aux personnes qui prennent la vidéo euh, que celle-là bah, de voir un peu bah, ce qu'est ce que, ce qu Xaxos euh, et comment il fonctionne. Quoi. Alors la partie narration, c'est parti. Euh, le groupe suit Xaxos à travers la lance naturelle. Il vous guide entre les formations rocheuses, faisant de son mieux pour vous garder sous sa protection. Parfois, vous entendez des hurlements au loin. Une fois, vous avez dû vous cacher sur un sourd pour éviter une grande bête volante qui tournoyait au-dessus de vous. Au fur et à mesure de votre progression, le paysage devient plus sauvage et plus accidenté. À un moment, vous remarquez des sillons dans la terre plus profonds que la taille d'un homme. Ils ressemblent à des traces de pattes géantes et griffues. Après quelques heures de voyage, Jana s'arrête net, étant un bras. Je connais cette créature, dit-elle, en vous indiquant une colline vers laquelle sont un squelette armé monté sur un cheval en décomposition. C'est un cheval enchaîné, un des nombreux émigrevold. Exact, confirme euh, confirme Xaxos. Alors, la traduction est toute pourrie, hein, parce que euh, coupure dans la narration, bien le cheval enchaîné, c'est ni plus moins que The Knight of, of Shekels. Euh, qui est un ennemi présent dans, je de mémoire si ma mémoire est bonne, un némésis présent dans, euh, mince, dans la guerre éternelle, l'Eternal War, dans une extension, il me semble. Hein. C'est celui qui invoque des morts vivants. Voilà, donc il se trouve là-dedans et euh, il n'y est pas bien. Exact, confirme Gaxos, mais je vois son maître nulle part. C'est le dernier de nos soucis pour le moment, indique hein, Q en tapant sur l'épaule de son père pour l'inciter à voir hors de squelette qui se dirige vers vous. Sur la colline, le squelette cadavérique lève son bâton au-dessus de sa tête et son armée personnelle commence à trotter vers vous en brandissant leurs armes. Mais comment peut-il avoir autant de morts vivants son, sous son pouvoir Zara sert ses dagues. Il a eu le temps de se préparer. Takrin commence à effectuer une invocation avec ses glyphes. Regardez Il pointe du doigt le chevalier méphitique sur le surplomb. Tout le monde se retourne pour regarder vers cette direction. Vous apercevez une autre enjeu de squelette naître de la volonté du chevalier. Les formes éthérées vacillant de manière instable avant de solidifier de rejoindre ses rangs. Il essaie de compléter son armée avec des illusions, indique Zaxos. Nous ne devons pas gaspiller nos énergies sur ceux qui ne sont pas réels, ajoute Q. « Plus facile à dire qu'à faire, souligne Kel en attrapant la main d'Elia. « Ils se ressemblent tous, ils arrivent, lance l'Anstacra. Préparez-vous au combat. Donc nous avons passé un nouveau combat. C'était le cheval des entraves, en fait, il s'appelait exactement le... le cheval en question. C'est un sans-nom qui a attaqué RigaVo il y a très longtemps. Sur autant adversaire, l'armée fissurée commande des légions de morts vivants et ouvre des brèges comme un mage. Il a fait toute la puissance de Greble pour le vaincre. En raison de sa forme humanoïde, sa magie familière, certains anciens ont supposé qu'il s'agissait d'un magie de la brèche déchu, transformé en monstre. Voilà, donc c'est le chevalier des entraves, euh, présent dans l'extension de la guerre euh, de, de, dans, dans le stand alone Guerre éternelle ou une, dans une de ses extensions, me semble-t-il. Alors, on nous dit donc que c'était... Voilà, c'était lui. Voilà. On dit d'ouvrir l'Europe 3A. Et le paquet 3A. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On va chercher l'enveloppe 3 en question. La voici. Hop, enveloppe 3A. La voilà. Donc, vous avez vu des, des noms de personnages, bien évidemment, que si vous suivez la vidéo maintenant, vous ne connaissez pas. Je vous invite à regarder la première vidéo de la campagne Outcast avec bah, les, les antagonistes de cette campagne, que sont lesquels il y a Zana, Takrin, etc. etc. Alors le lui bah, du coup il est cool parce qu'il a pas ah si il a un petit Non, c'est juste un petit démarca... un petit, euh... un, petit... Non, un petit truc pour se démarquer donc c'est le Rising Troll. Troll donc il n'a pas l'air d'avoir de contrairement les... aux autres Nemesis deux decks à côté de lui alors qu'est-ce qu'on dit on dit de mettre un ah il a peut-être un deck un deck qui est spécifique voilà donc il est difficile cinq du setup on va mélanger les cartes tral avec The Shambling Fluttery and Solar Foot Side Face Up pour former le Trial Deck. On place le Trimander carte en jeu. Ok, bon, on va voir ce que c'est que ce truc. Hein. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, ni d'ouvrir également l'enveloppe, euh, le deck 3A. Alors le deck 3A, qu'il okay, est 3A, le voilà. Donc il y a 4 cartes en bas Nemesis, euh, et on le combat si on gagne on voilà et si on... enfin si on gagne on passe à la suite si on perd eh ben on le recombattra pour passer à la suite de nouveau. Alors qu'est-ce qu'on a 3A front. Alors on a les cartes spécifiques à ce personnage là. Donc il a des cartes recto verso qui sont alors a priori donc là c'est des, des cartes de ces cartes de Nemesis hein, le Rising Troll niveau 1, niveau 2, niveau 3. OK. Je vais mettre ici, il a on moque. Des cartes upgradées Nemesis de rang 1, rang 2, rang 3. Donc rang 1, rang 2, rang 3. Voilà. Et, euh, et c'est tout. Ce qui m'embête un petit peu, moi, c'est que là. On... Ah, attends, si c'est bon. J'en ai dit. Ok. Donc, on va. Euh, donc, on nous demande. Donc, on a des cartes euh, Tral qui sont recto-verso, a priori. C'est une édition défaussée là. Ah oui, d'accord, ok. Ah, on a des cartes Illusions. Cartes... Ah, on a des cartes Illusions, comme ça. Et des cartes Réelles, comme ça. Des cartes Illusions, de Mignon. Et des cartes Réelles, d'accord. Donc, on me dit de mélanger les cartes avec les Shambling Infantry, comme celle-ci, et les Soldiers of Riot, comme celle-ci. Okay. Face-up, évidemment, pour savoir lesquelles sont des euh, Illusions et pas des Illusions. Donc là, par exemple, celle-là, c'était une, une vraie. Celle-là, c'est une illusion. Voilà. Et on les met. Euh, ok, donc je vais les mettre à l'endroit sur mon tapis de jeu qui va bien. Ok. Donc je les mettre là. Donc j'ai enlevé ces cartes-là sur le côté. On verra après ce que c'est ces cartes. Hop. Et on met les cartes spécifiques des Médicis ici. Et on met la carte en jeu. Celle-ci. Donc. On la laisse en jeu, on va la laisser là pour la laisser en jeu. Qu'est-ce qui se passe Au début du tour de la Nemesis, s'il y a 1, 2, 3 ou 4 soldats, d'autre en jeu, Grevol subit 1, 1, 2 ou 4 dégâts. Okay. Au début du tour, s'il y a 1, 2, 3, 4 shambling in front of your joueur, n'importe quel joueur souffre de 1, 2, 4 dégâts. Okay. Okay. Donc il va falloir les dégager quand même, que ce soit des illusions ou pas. Euh, avant de lire le. Euh, donc 50 points de vie, le machin. Avant de lire ça, on va préparer son paquet Nemesis. Alors, le paquet Nemesis par défaut, on prend les cartes niveau 1, niveau 2 et niveau 3 de la bestiole. Ok, jusque-là, tout va bien. Comme nous sommes en mission 3, bataille 3, je vais rajouter. Euh, donc là, deux cartes upgrade basique parmi toutes celles disponibles dedans. Voilà. Et après, je vais compléter le nombre de cartes avec des cartes normales. Des cartes normales, du coup, c'est en euh, avoir 6, donc je vais en piocher une au hasard parmi toutes les cartes, euh, les cartes normales qu'il y a ici. Euh, je vais mise en jeu les cartes. Oui. Donc il y en a une. Ici, c'est celle-là, hop, je ne peux pas la regarder. Donc ça, ce sont les cartes de niveau 1 que je vais mélanger comme ça. Donc non, je suis censé avoir 6 cartes de rang 1. Ça, c'est ce qu'on voit à page 10 du livre de règles. Hein. Euh, lorsque tu mets en ou même au même au recto du bouquin de règles, hein. euh, voilà. Là, tu es censé avoir... Euh... Euh, non, c'est pas là, hein. c'est page 10, pardon. 3 cartes, je vais y arriver, trois hein, cartes de tiers 1, 5 cartes de tiers 2, 7 cartes de tiers 3. OK. Donc là, du coup, on a 3 cartes de tiers 1. J'ai pris les deux cartes de euh, upgradées plus du coup complétées avec des cartes normales. Les cartes de tiers 2, là, j'en ai 4 ici. Il m'en faut au total... Euh, il m'en faut au total... Euh, il m'en faut au total 5. Donc, je prends les quatre cartes de tiers 2 upgradées ici. Je vais en prendre une au hasard parmi les cartes normales. Ça sera toi. Et je rajoute les cartes de m6. ce qui fait donc que je dois avoir 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 cartes. 8 euh, cartes de... C'est bizarre, 8 cartes, non C'est 8 cartes de tiers de tier 2 J'ai un doute. Le doute m'habite. Euh... Euh... Oui, 8 cartes, ça. Oui, 5 cartes de base plus 3 cartes Nemesis. Voilà, c'est ici. Donc les voilà, ça c'est tier 1, tiers 2. Et on fait pareil avec le tiers 3. Le tiers 3, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, les 5 cartes de tier 3. Il nous faut au total 7 cartes. Donc je vais prendre 2 cartes de tier 3. De palier 3, plutôt, on va dire, voilà. En plus. une 2, voilà, c'est le tiers 3, que je vais mélanger avec les cartes de palier 3 de la Némésis. Et je vais m'en trouver normalement avec 10 cartes. Donc je vais avoir 6 cartes de rang 1, 8 cartes de rang 2 et 10 cartes de rang 3. C'est toujours un petit gymnastique hein, de mettre les bonnes, euh, les bonnes cartes. Donc normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Bien Némésis. Voilà. Allez, attendez, je vais tomber quelque chose, je reviens. Donc, ça, rang 1, rang 2, rang 3, j'en ai plus un, je peux la mettre dans la boîte. Ça, ce sont les cartes de base de la Némésis. Avant Upgrade. Pourquoi j'utilise une carte Upgradée Parce que nous avons droit à des petits bonus, nous. Parce que nous allons trouver des trésors, des reliques que nous allons choisir juste après. Mais je termine la mise en place de la Némésis. Alors, également pour la Némésis, nous avons ce paquet-là. Ce paquet-là qui est un paquet de cartes maudites. Euh, de, de cristaux maudits, de sort, de trésors maudits, de sorts maudits, de reliques maudites, voilà, qu'on va euh, rajouter à notre deck au fur et à mesure qu'on va nous le demander. Et ça va venir pourrir notre jeu, pourri notre jeu, pardon. 50 points de vie pour notre ami le euh, Ryzen Troll voilà. Et alors qu'est-ce qu'il y a pour sa mise en place euh, bah, C'est tout ce qu'on met. On met place, ok. Ok. Donc Cortis des chaînes, il, il met une carte très en jeu. Il prend une Carte à et la même en jeu donc déjà on sait ce qui va nous arriver dessus vu qu'elles sont face visible je sais qui va m'arriver celle là quand il va se déchaîner alors un additionnel alors attends par contre on me dit on ne pas de mettre des, des monstres en jeu déjà on me dit juste de mettre la carte reminder ici en jeu okay. durant n'importe face euh, principale d'un joueur ils peuvent dépenser deux déterres pour euh, retourner une carte tral en jeu si c'est une illusion, on la défausse. D'accord, donc une carte tral qui est ici, qui a 4 points de vie, je peux démonter 2 déter pour vérifier que ce ne soit pas une illusion ou pas. Si c'est une illusion, je la défausse, ce n'est pas une illusion, je la laisse en jeu, par contre elle garde ses points de vie. Quand le deck de tral est vide et qu'on doit en tirer une, on, le, on mélange la défausse de celle-ci pour faire une, une pioche face, face up, donc face du dessus visible, comme ça actuellement. Quand une face est défaussée, on ne la met pas à l'envers, ce qui est normal. Au début d'un tour de Nemesis, ah ben ça va être le rimailler dans la carte, au début d'un tour de Nemesis, s'il y a 1, 2, 3 ou 4 soldats en jeu, grévol subit 1, 2, 4, enfin euh, 1, 2, 2 ou 4 blessures, voilà, en fonction du nombre de soldats, Grevol va prendre le nombre de blessures. S'il y a des euh, Shambling Infantry, c'est ce que nous rappelle la carte qui est ici, là ce sont les joueurs qui prennent un joueur qui prend les dégâts. Et par contre, si jamais il y a 12 cartes en jeu et que la némésis doit se déchaîner, donc je n'ai plus de cartes euh, carte du paquet euh, d'illusions à de, de mettre en place, Gravol subit 4 points de dégâts. Donc, une mécanique finalement assez cool, contrairement aux deux mécaniques qu'on a vues précédemment des boss, à savoir le Lapin Géant, l'expérience 153 avec ses grosses antennes qu'il faut tuer, ou le Voleur de rêve avec un espèce de, de circuit de rêve qui circule, de cartes qui circulaient. Donc, c'était plutôt donc plus intéressant. Et il est temps maintenant de présenter les mages que nous allons jouer. Nous avons deux mages. Nous avons le Zana, donc, qui commence à donc, 10 points de vie. Sa brèche 1 absente, euh, brèche 2, brèche 3, brèche 4 quasiment ouverte. Elle commence, elle, avec des options très intéressantes. Hein. Je vais reparler un petit peu de ce qu'elle peut faire. Euh, elle a un Glyph Carzer, ça gagne un d'éther. Ou alors, elle peut prendre un token Glyph, qui sont ici, et euh, les, mettre, les mettre en jeu sur n'importe quelle carte du, euh, du plateau de jeu. Et 4 étincelles. Ensuite, après, elle a 3 étincelles et une, une, euh, 3 cristaux. Pardon. Elle, a donc, elle commence avec 4 cristaux et son truc de glyphe, Et euh, dans son starting deck, elle a une étincelle, un glyphe carver et trois cristaux. Qu'est-ce que sont ces glyphes Vous allez me demander, c'est une très bonne question. Ces glyphes, en fait, euh, quand elle va jouer le glyph carver, elle va pouvoir prendre de ces glyphes et la mettre sur n'importe quelle carte, sur n'importe quelle pile du marché. Et quand l'autre joueur, pas elle, mais quand le joueur va prendre la carte, va l'acheter, cette carte-là, le, le, la glyphe qui est dessus, va se déclencher. Et ensuite, Zana va récupérer la glyphe. Euh, quand un allié gagne, gagne une carte avec un token dessus, cet allié ou Zana euh, peuvent résoudre l'effet de la glyphe. Si c'est Zana qui gagne la carte avec la glyphe dessus, elle met cette glyphe sur un, un autre endroit, de la, un autre endroit de, du, du marché. Quand une carte avec une ou plus de glyphes est enlevée du marché, on retire toutes les glyphes et on les rend à Zana. Donc on peut avoir plusieurs glyphes au même endroit. Si jamais j'achète la carte, si je suis l'autre joueur, j'achète la carte, Zana ou moi peuvent déclencher l'effet de la glyphe. Si c'est Zana qui achète euh, la carte sur laquelle il y a là où les glyphes, Zana peut déplacer les glyphes ailleurs. Voilà, tout simplement. Ensuite, elle a son pouvoir ultime, Zana. Qu'est-ce qu'elle peut faire Elle soit une gravel de 5 points de vie. Et quand ça s'est lancé, que c'est rempli, elle peut mettre deux glyphes au sommet de n'importe quelle pile de, du marché. Donc les glyphes elles ont différentes utilités, il y en a 5 euh, au total, deux rouges qui sont offensives, qui permettent de lancer un sort préparé euh, un sort réparé, euh, enfin, voilà. un qui permet de gagner une charge, un qui permet de stabiliser la brèche qui a le coût le plus faible, et une qui permet de gagner une carte qui coûte 3 ou moins de la pile du marché. Voilà. Donc il y a 5 glyphes dont deux identiques. Donc c'est très puissant. L'autre magicien que nous allons, euh, magicien, autre, mag de la, que nous allons diriger, n'est autre que son fils takra. takra lui, il a également un principe de, de glyphe à déplacer sur son plateau de jeu. Euh, donc, il commence avec un, 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 un ésotérique amplifieur, Il en a un. Ça lui permet de, de gagner un éther et de prendre une blessure. Pourquoi prendre une blessure Eh bien, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il prend une blessure, il a le droit de déplacer euh, sa glyphe ici. Donc par défaut, c'est à cet emplacement-là quand tu commences la partie, mais si jamais tu le déplaces et tu l'amènes ici, hop, il gagne une charge. Si jamais tu le déplaces tu et tu le gagnes ici, là, c'est euh, stabiliser la brèche dont le coût est le plus faible. S'il va ici, prépare un sort dans la main euh, sur une brèche, euh, stabilisée ou non. Et s'il si, si, euh, ramène sa difficiles ici, là, c'est un allié, il poche une carte, tout simplement. Voilà. Donc à chaque fois qu'il prend des dégâts, il fait déplacer son petit truc ici, ce qui lui permet de faire différentes actions. Son pouvoir ultime, ça coûte 10 d'éther, donc 5 charges. Euh, S'il n'est pas épuisé, il se soigne de 3, sinon, euh, G Gravol euh, se soigne de 3 points de vie. Voilà. Il y a également une particularité d'Acrin, c'est quand même un, un bouclier, c'est que Gravol su, euh, subit 1 euh, dégât pour 1 dégât que Tacrin euh, subit au lieu de 2. Si jamais Tacrin est épuisé, même quand tout mage est épuisé, si jamais ce mage épuisé est, est amené à subir des dégâts, c'est Gravol qui va prendre le double de dégâts. Donc si jamais je prends 2 dégâts, avec Gravol finalement en prend 4. Et si je suis amené à prendre deux dégâts mais j'ai plus de vie, Gravol en prend 4. Et ben Tacrain, c'est différent, lui c'est du 1 pour 1. Si jamais euh, Tak'ra est il est épuisé et qu'il est amené à prendre des dégâts, Gravol va prendre le même montant de dégâts. Donc si jamais il est amené à prendre 2 dégâts, Gravol ne prendra que 2 dégâts. Alors c'est pas Gravol, du coup c'est Xaxos qui va euh, manger à sa place. Euh... C'est le joueur 2, voilà 5 points de vie, avec sa main de départ qui est ici. Euh, nous avons également euh, des trésors, parce qu'on verra après pour Xaxos, les trésors sont les suivants. Alors, on a un trésor de rang 1 et un trésor de rang 2 à choisir. Le trésor de rang 1 sont des trésors qui vont, être qui vont remplacer une, une cristal ou une gemme dans la main d'un personnage. Ce euh, sont des, 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 euh, des capacités qui viennent des, des extensions des jeux précédents des End, et du coup, tu as, 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 as des pouvoirs, des, des pouvoirs de niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui vont te permettre de, de gagner en puissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Alors, le Raza Training Whistle, le sifflet d'entraînement de, 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 de Razra, on gagne un déter, on gagne une charge, c'est une gemme. Un sort qui va de faire un point de dégâts et de stabiliser la brèche 3 d'un joueur. Une gemme qui va de gagner 1 et gagner 1 en plus qui peut être acheté uniquement pour acheter une relique. Euh, le Talix Everburn, ça va de gagner 1. On défausse jusqu'à 3 cartes de notre main. On gagne 1 pour chaque sort ainsi défaussé. Et enfin le Lost Forgain Spark, quand on commence ce jeu, on rajoute un cristal à la main, ça fait quand même est un, est un, trésor qui, qui, un trésor qui fait quand même 2 points de dégâts, ce qui est pas dégueulasse, cela dit, pour un trésor de base. Hein. Euh, par contre, ça nous pourrit le deck parce qu'on rajoute un cristal à notre pile de défausse. Euh, Qu'est-ce que je vais prendre Je ne sais même plus à quoi j'avais commencé la dernière fois. Je crois que j'avais commencé avec cette gemme-là pour euh, gagner. Alors gagner des charges, c'est important parce que les gains des charges, tu le peux faire gagner à lui. Et je vais venir juste après euh, sur lui. Euh... Acheter des reliques, non, je m'intéresse pas plus que ça. Deux fois trois sorts en main, je suis pas sûr d'avoir suffisamment de sorts pour pouvoir me permettre, sachant que euh, la part défaut ils ont tous euh, une juste une étincelle en jeu. Donc, enfin euh, voilà, donc du coup c'est pas forcément la, la meilleure carte à prendre. Donc il me reste ces trois là. Euh, le Lost Force Park, ouais c'est pas mal. Je vais prendre ça. Je vais enlever ça de notre ami euh, Tacrin pour lui mettre ça. Par contre, ils me disent qu'il faut mettre tout de suite une, un cristal dans la défausse de tacra Voilà, Tacra commence avec une carte en plus un cristal. Je pense pour compenser la puissance de cette, de cette carte qui fait quand même deux points de dégâts pour un sort dès le départ, c'est quand même pas mal. Donc ça, je dégage. Et l'autre, c'est euh, l'autre, c'est. Pourquoi euh, Je ne pas mes étincelles, ils sont mes étincelles. Là, Et alors pour sa sa maman, parce que Zana est la maman de. Soit je fais gagner une charge. Donc comme une gemme, soit alors je défausse un sort, et ça fait un point de dégâts on stabilise la brèche 3 d'un joueur. Je vais partir là-dessus, je vais partir sur cette gemme là pour gagner un déter ou une charge. Parce que ça va me permettre de éventuellement remplir plus vite la capacité de, de Xaxos. <coughs> je perds la voix, je m'en excuse. Donc les trésors de rang 1, hop, eux, ils reviennent dans le baraquement des personnages. Là, les trésors, voilà. Eux, ils ne sont pas détruits, contrairement à d'autres... D'autres trésors, à d'autres trucs, oui, effectivement, je oui, sais bizarre, okay, voilà. hop, dans mon barraquement des trésors. Ensuite, on a des trésors de rang 2, qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, enfin, en tout cas, pas pour le New Wedge. C'est un, on va en choisir un, et euh, ben, du coup, c'est une sorte de passif qui est être applicable pendant toute la partie. Au début de la partie, on met ça au niveau d'un mince, d'un truc qui coûte 4, 5 ou moins, d'un sort, ce sort fait un dégât de plus quand on le lance grévol Greyball soigne, gagne un pognon en plus. Quand un joueur ouvre une brèche, n'importe quel, donc n'importe quel, pioche une carte. Ça, ça peut être intéressant parce que j'ai mes deux personnes qui soignent grévol donc potentiellement euh, les soins peuvent monter très vite. Par contre, j'aime bien ça, le fait de tabayer un peu plus fort. Euh, après, j'aurais peut-être dû commencer par choisir mes sorts, cela dit, avant de choisir ma, mon trésor, mais je pense que je vais partir là-dessus. Le Poison Heart, qui est un passif, euh, et qui me dit que voilà, tous les... Euh, je mets ça sur une carte de, de, de supply et cette carte-là fera un dégât de plus. Il est temps de passer au... Avant de passer au marché, on va présenter un peu Xaxos et son fonctionnement. Xaxos, il a une pile, de... une pile avec lui de cartes, ici, qui est ici, tout simplement. Donc c'est lui qu'il faut défendre, il a donc 30 points de vie, hein, comme, comme Greyvold en fait. Il a son deck, et quand ça on l'arrive à le remplir intégralement, donc au lieu de claquer de l'éther pour gagner une charge, ou d'utiliser des capacités qui, payent... qui permettent de gagner des charges, ou de la faire gagner au personnage, on la met à Xaxos. Et quand ça c'est plein, PAM On déclenche une carte, on tire une carte et on l'applique. Par exemple, pendant la première, ça fait quoi? Clarifying Light, n'importe quel joueur ou une brèche gagne de charge et gagne de points de vie. Tous in Flame, n'importe quel joueur peut lancer un sort préparé sans le défausser et il répète ça deux fois de plus. Ou deux joueurs différents gagnent une gemme qui coûte 5 ou moins et la mettent met dans leur main. Voilà. Donc, Zaxos, il a de temps à autre une espèce de gros pouvoir bien dégueulasse, bien puissant qui va se lancer pour nous aider. Donc là, un trésor qui je verrai où je le mets après. Euh, et il est temps, du coup, de partir sur le marché. Alors, le marché. Nous avons droit à 3 gemmes, 2 reliques et 5 sorts. 4 sorts, pardon. Nous avons le Molten Peridot. Ça fait quoi Ça va me gagner 2. Euh, si c'est la seconde fois que je joue un Molten Peridot ce tour-ci, je, je peux le détruire. Et si je le fais, je gagne une carte ou 4 ou moins de n'importe quelle zone du marché. Les Longated Look, gagnez 2. La prochaine fois qu'on stabilise ou qu'on ouvre une brèche tour, si on gagne une charge. Ok. Le Galvanise Sapphire, ça coûte 4. 2. Outcast, euh, Xaxos, Outcast, donc c'est le Xaxos d'ici, gagne une charge. Donc ça c'est plutôt bien, parce que ça va permettre justement à Xaxos de générer des charges. Donc je pense que celui-là je vais partir avec. Et enfin ça coûte 5. Quand on le gagne, si c'est la seconde carte qu'on joue ce tour-ci, Attends. Non. quand on le gagne, si c'est la seconde carte de ce tour-ci, on peut la mettre dans notre main ça va être gagné 3 alors du coup parmi ces 4 là il faut que j'en euh, dégage une donc je vais garder déjà le saphir de euh, le gamma et le sapphire qui va de gagner 2 d'éther voilà euh, parce que ça me ça fait gagner surtout une charge d'agassos un quand je la joue euh, là c'est bien ainsi parce que la fois que je focus je stabilise ou que j'ouvre une brèche, ça va être gagné 2 et, non, surtout, je gagne deux, et surtout, je gagne 2 et surtout, je gagne 1 charge pendant que je fais ça. Ok, intéressant. Et là, ça va de gagner 2, mais par contre, du coup, je n'ai pas de carte qui permet de gagner 3. Donc, ça m'embête un petit peu. Euh, je vais quand même garder celle-là parce que ça me permet quand même de gagner 3 quand je l'achète. Et si la seconde charge que j'achète ce tour ci je la mets dans ma main. Donc, potentiellement, j'ai 3 tout de suite après. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, là, du coup, j'hésite entre celle qui coûte 3 et celle qui permet de gagner une charge. Parce que, du coup, je me dis, plus je gagne de charge. Plus je peux booster Xaxos et utiliser sa capacité. Par contre, ça fait quand même des, des trucs à, à, à 3. Euh, et je ne vais pas forcément avoir toujours 3, 3, 3 déterres. Donc, je pense que je vais acheter ça. Et je vais mettre, du coup, dans, la, dans le baraquement, dans les cartes que je me dé, débarrasse, les cartes bannies, je vais mettre cette, cette gemme ici. Voilà. Dans les cartes bannies, hop, la gemme, elle arrive là. Je ne plus du jeu. Les j'en choisis deux parmi toutes celles-ci. Alors, ah, les qu'est-ce que j'ai le carnivorus Rooks. gagne 1. Je peux détruire une carte de ma main pour gagner autant d'éther que son coût. Ou alors, je peux la détruire et je peux stabiliser la brèche qui a le coût le plus faible deux fois de suite. Okay. Chain of Retrieval. Un allié stabilise une brèche. Ou alors, je peux défausser une carte de ma pile pour acheter une carte... Non, je peux... N'importe quoi. Je peux récupérer dans ma main une carte de ma pile qui coûte 6 ou moins. Et enfin, le dernier, c'est le destin forges une espèce de papillon très joli un allié peut être une carte de sa main ce joueur gagne une carte qui coûte jusqu'à 2 de plus que celle détruite et la met dans sa main ou alors je détruis je gagne deux charges euh, je, je pense que je vais me séparer du papillon je vais prendre les deux premiers celle là me permet éventuellement de, euh, détru toi, de détruire des cartes de ma main donc de purger mon deck et après quand j'ai plus besoin je peux la détruire en, en faisant tourner les tourner mon, mes brèches et celle là me plaît beaucoup ça me permet du coup sa motor de stabilisation ça stabilise d'un allié donc il suffit que j'en ai un dans chaque personnage et du coup bah, les, les brèches vont se stabiliser un peu, un peu rapidement toutes seules. C'est plutôt cool. Donc le papillon, malheureusement, hop, il disparaît et il va ici. Ensuite, les sorts. Alors les sorts, nous avons euh, le Fort Fortifying Frost, ça fait deux points de dégâts. Si je fausse une carte de ma main, ça fait un dégât en plus. Alors là, le Perd Storm, alors ça a le Multi-Lien. C'est-à-dire que ce, ce, le, je peux préparer deux sorts avec le mot-clé-lien sur la même brèche. Ça fait deux points de dégâts. Et si jamais, c'est la seconde fois que je lance un pair Storm, il fait deux dégâts de plus. Donc ça c'est quand même très intéressant. Twisted Fate qui m'a permis vraiment de, 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 de faire une très belle partie, euh, la partie dernière, dernière j'adore ce sort. Ça fait trois points de dégâts et si la, la truc est vide, ça fait un point de dégâts de plus. Donc je suis déjà à 4 points de dégâts, donc c'est là je pense que je vais la prendre. Euh, L'Infusion, ça fait 3 points de dégâts. Si Xaxos a 4 charges au moins, il gagne une charge. Donc ça c'est bien pour booster un peu la puissance de Xaxos. Nous avons à 6, euh, le of Inside, c'est 5 points de dégâts. Si je n'ai pas de brèche ouverte, je gagne une charge. Et enfin, 8, mais 8, il faut les avoir. Le relais arcanique, Arcane Oley. Alors, quand je lance, un joueur peut tirer une carte et ensuite révéler sa main. Ça fait 4 points de dégâts. Et ça fait 1 point de dégâts pour chaque carte dans la main de l'allié qui coûte 1 ou plus. Donc déjà de base il fait 4 et quand un allié relève sa main et si jamais il a 3 cartes qui, font, qui coûtent 1 ou plus, ben, ça fait 3 points de dégâts de plus. Donc tu peux, monter, tu peux monter très fort en dégâts. Par contre ça coûte 8 à l'achat, ce qui me paraît un peu excessif. 8 c'est chaud patate à obtenir. Donc ce qui est, ce qui est sûr c'est que je vais prendre... Euh, ce qui me plaît beaucoup c'est le Parade euh, Parad Storm pour 3 là. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Donc je vais le mettre ici. Je vais mettre également le Twisting Fang, là, Ça c'est sûr que je vais le prendre là. Et ben regardez, Infusion of Insight ici, ça va me faire gagner des charges avec Xaxos, et pour 6, le Tornado of Insight, qui est ici. Voilà, donc les deux autres sorts là, le sort qui coûte 8 et le sort qui coûte 2, malheureusement, hop, ils vont dans la... dans les cartes détruites. Et il ne me reste plus qu'à choisir où est-ce que je mets le Poison Earth. Un sort qui coûte 5 ou plus... Ah non, 5 ou moins, pardon, 5 ou moins. Et donc ça, je pense c'est très intéressant de le mettre sur celui-là. Je vais le mettre sur celui-là. Pourquoi Donc quand je lance, il fait 1 dégât de plus. Donc Déjà, un sort qui coûte 3 va me faire 3 points de dégâts. En plus, si je lance en plus, de nouveaux 3 points de dégâts. Donc, je pense que c'est assez, assez sympa. Après, si je le mets sur le Twisting Fang, Twisting Fang me fera 3 points de dégâts plus un 4. Et quand ça sera vite, ça fera 5 points de dégâts. Donc, ça aussi, c'est plutôt pas mal. Mais bon, allez, il est temps de lancer la partie. Je mélange les quarts d'heure du tour. On a fait le tour, on a fait le marché, on a fait les Nemesis, la Nemesis avec ses, ses cartes. On a fait les deux mages. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Après une petite demi-heure de présentation. Là, pareil, je fais une seule vidéo. Je ne vais pas détailler en, détailler en deux parce que sinon, il faut que je recommence mon explication. Et euh, ça me fatigue. Et vous aussi, je pense. <laughs> de m'entendre deux fois dire la même chose. En tout cas, pour ceux qui regardent toutes les vidéos. Voilà. Donc là, je mettrai un chapitrage, une timeline dans la vidéo pour savoir un peu comment ça marche. Et c'est bon. Alors, c'est parti. On commence à jouer par la Nemesis, évidemment. Alors Nemesis, qu'est-ce qui se passe Au début de ce temps de Nemesis, il y a une soldat, il ben, n'y a personne ici, donc du coup ben, on ne fait aucune des actions ici, on va commencer par piocher une carte. Cette carte-là, c'est il se déchaîne. On met en jeu celle-là. Ensuite, Gravol prend 4 points de dégâts. Donc non, on est mis tombe à 26. Voilà. N'importe quel joueur gagne un Curse Shard, donc c'est ça, les, les, les éclats maudits, et le met au sommet de son deck. Alors, bah, ça va être, euh, je pense, toi. Parce que toi, tu es déjà un cristal en plus. Donc, je n'ai pas envie que ça pourra à, enfin, à faire grossir le deck. Ok. Toujours 1. Zana. Zana, elle a donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle a 5 d'achat. Ce qui est peut-être intéressant tout de suite pour euh, récupérer d'entrée une grosse gemme à 5. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, euh... oui si si ça peut être intéressant. Une grosse gemme à 5, là, comme ça. Donc j'utilise pas forcément ses capacités de glyphe, ni sa capacité euh, de... Euh, attends, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi attends, attends, j'ai un problème là C'est une gemme et j'ai dégagé quoi Ah un cristal, non c'est bon. Non, tout va bien, tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donc je gagne cette carte-là, qui me permet de du coup gagner 3 lorsque je vais la jouer. Donc ça, ça, ça peut être intéressant. Tant pis pour les capacités de, de placer la glyphe ou gagner la charge là. Euh, je me dis qu'avoir 5, euh, 5 de mana, ça peut être très intéressant. Donc, je vais la mettre comme ça, hop, dans ce sens-là. Et elle va remplir 5 cartes. Elles sont retrouve avec une... Ah, donc, du coup Ah, ben non, 5 cartes, attention. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, déjà, je me retrouve avec une carte euh, ici en plus. C'est mon étincelle. Donc, je, je vais me retrouver avec cette espèce d'éclat maudit qui fait chier. Il faut que je dépense 2 pour la défausser. Après, là, la la sa 4 points de vie. Par contre, là, il faut que je dépense 2 aussi pour voir s'il est vrai ou pas. Euh, donc, du coup, j'ai ma mana qui va être un petit peu... Euh... Un petit peu défaussé voilà après eux ils font rien de particulier ils ont juste quatre points de vie hein. voilà ils n'ont pas d'événement durable euh, lorsque l'ennemi se déclenche joueur de tacrin tacra takrin qu'est ce qu'il va faire il a euh, donc déjà il a son état celle qui va mettre là donc il va faire 2 dégâts j'ai 3 trois déter j'ai quatre déterres. pour 4 déterres, je vais pouvoir acheter un galvanite sapphire qui va gagner 2 et surtout gagner une charge et je vais faire en sorte qu'il prenne un dégât il va prendre un dégât Hop. Et comme il prend un dégât, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire déplacer ça. <laughs> Donc, euh, il va gagner une charge. Il peut préparer un sort de sa main où il peut stabiliser une de ses brèches. Il va gagner une charge. Et cette charge, il la prend pas pour lui. Il la prend tout de suite pour commencer à armer Xaxos. Parce que Xaxos, il faut une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, huit charges quand même pour arriver à, le, euh, à lui faire déclencher son, sa capacité. Hop, je mets les cartes dans l'ordre qui m'intéresse. Donc la carte que j'ai achetée, elle est ici. Je mets. Ça, l'ésotérique en playfair, sa carte signature et ses trois cartes, trois cristaux ici. Je peux de nouveau cinq cartes, deux cristaux, et deux étincelles et un cristal, et trois cristaux. Donc je peux ouvrir la brèche directement ici pour mettre mon, mon sort dessus. Nemesis. Alors Nemesis, c'est un soldeur à fruit. Donc il y en a un, grévol pour un point de dégâts. Donc grevold on a commencé la partie depuis deux tours, trois tours, on a perdu cinq points de vie déjà. On se donne avec un Monster Hound. Alors, ça a 5 points de vie, ça réduit tout 1. Alors, réduit tout 1. Tout 1. Donc euh, c'est babail. Donc ça réduit à 1. Tous les dégâts faits à tous les minions par des sorts qui coûtent 5 ou plus. Persistant, grévol subit 5 points de dégâts. 2 points de dégâts, pardon, c'est trop énorme. Ok, donc du coup, tous les sorts qui coûtent 5 ou plus. Euh... Oui, bon, après des, des sorts qui... coûtent... Euh, du coup... Euh... 5 ou plus, enfin des sorts qui coûtent 5 ou plus quand t'es au tir 1, c'est chaud c'est chaud d'en sortir, mais pourquoi pas. Ok. Bon. Euh, Zana. Cette fois-ci, Zana, qu'est-ce qu'elle a Elle a, du coup, elle a 4 déter. Donc 4 déter, elle va se débarrasser de ça parce que je pense que ça, ça me pourrisse mon deck tout de suite. Et pour 2 déter en plus, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller retourner la carte ici pour savoir si c'est une illusion ou pas. Il est vrai. Il est vrai. Ok. Donc, du coup, celui-là, je le mets sur il est vrai. Hop, voilà. euh... Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça Attends, il y a un truc qui m'interpelle. Je peux la retourner pour voir si elle est. C'est une illusion ou pas. D'accord. Donc là, maintenant, je sais qu'elle est... Qu est vraie. Du coup, quand elle va revenir ici, je sais qu'elle va être vraie, en fait. Quand le, quand le paquet est vide. Je mélange. Ah non, je les mélange avec, le, avec la face up. D'accord, ok. Donc je les... Tout celles qui sont face down, comme celle-là, je les remets toutes face up. D'accord, ok. Et, et, et quand une face quand une carte comme ça est défaussée, alors qu'elle n'est pas retournée, on ne la retourne pas pour savoir si elle est vraie ou pas. Ok, d'accord. Ça me va. Euh, bon, mais on a fini son tour, je pioche donc une carte. Et. Du coup, 4 cartes. Hop là, voilà. Ça me fait donc 5 cartes en main. 5 cartes en main avec, euh, quand même un, 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 encore une fois, un bon potentiel d'achat parce que j'ai 1, 2, 3. J'ai 6 d'achat. Je peux m'acheter tout de suite, par exemple, 2 perstorm. Bon, je ne joue pas à la brèche pour un storm, mais avoir 2 perstorm lancés, ça peut être très intéressant rapidement. 2 points de dégâts. Euh, non, le joueur 2, par exemple, il va lancer son sort ici qui fait 2 points de dégâts. Euh, T'as craint. Euh, là, je vais me concentrer là-dessus. Deux points de dégâts, hop, il y en a 3. Parce qu'il euh, qu fait comme deux dégâts grévaux, l'église en fait qu'un pour l'instant, donc bon. Euh, T'acra un pour 3 d'éther, il va voir sa brèche 2 qui est ici, qui me donne cas est ouverte, et je vais mettre mes deux étincelles qui sont comme ça ici. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 éthers. Ça c'est intéressant, 6 éthers, je vais pouvoir faire plein de choses avec. Avant enfin, d'acheter deux per deux paires Storm. ça peut être très intéressant d'acheter des paires Storm tout de suite parce que du coup, ils vont ils vont si je les coupe tous les deux, ils vont ils vont enfin ça va être en termes de dégâts assez assez puissant. Allez. Jour 1, Zana. Alors Zana, qu'est-ce qu'elle a Zana, Elle a 1 2 3 5, 6, et une étincelle. Euh, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que pour 4, je vais ouvrir ça. Mettre ça ici. Et il me reste ça. Je vais gagner une charge, donc que je vais donner tout de suite à euh, mon ami Xaxos. D'accord Et avec le Glyph Carver, je vais mettre un token sur un supply, pour gagner une charge. Non, pour euh, mettre un Glyph, pardon, pour gagner une charge. Euh, Qu'est-ce que je mets comme glyphe Sachant que après, j'ai envie de mettre quand même des glyphes là-dessus. Je suis sûr quasiment d'acheter ça. Ça va être intéressant de mettre ça là, parce que ça me permet d'acheter une sorte qui coûte 3 ou moins, une carte qui coûte 3 ou moins, n'importe quel truc. Comme j'ai plus ou moins de prévu d'acheter ces cartes-là, euh, en jouant ça ici, je pourrais en prendre une de plus. Je mets les cartes dans l'ordre qui m'intéresse, vu que j'ai rien acheté, rien ne va dans ma défausse. Ça, ça va en premier ici. Ensuite le glyphe, la charge et la étincelle. Et la cristal. 3, 4, 5. 1, 2, 3. J'ai 5 d'éther ou 4 terres On va voir un peu ce qu'on en fait. Nemesi. Alors Nemesi, ici, ça on voit que c'est vrai. Gravel prend un point de dégâts. Gravel prend deux points de dégâts. Donc 1, 1, 2. Ok. Et on tire une nouvelle carte. Défensez 6 pour la dégager, euh, pouvoir 2, donc on met deux petites pastilles dessus. Déchet 2 fois, n'importe quel joueur subit 3 points de dégâts. Ok. Joueur suivant, Nemesis. 1 point de dégâts pour toi, 2 points de dégâts pour toi. Grévolte, on va à 19. Là, tu perds un jeton. Ok, alors on n'est pas bien, là. Déchets deux fois. Alors, déchets deux fois, on met un tral en jeu. Donc, on en met 1. On en met deux, voilà, et on flip over, on flip over au play. D'accord, on le flip over, c'est qu'on le retourne pour voir un peu s'il est vrai ou pas. Donc je sais que déjà celui-là est vrai, donc je passe. C'est celui-là que je ne vais pas machiné. donc peu importe. Je vais prendre celui-là, et là on me dit que c'est un vrai. Ok. Ok, donc là ça veut dire que Gravel va prendre du coup deux points, de... euh, encore un point de dégâts. C'est Quand il y en a deux, c'est encore un point de dégâts. Mais là, je me retrouve avec beaucoup de minions à gérer. là. Euh, ça commence à faire. Ça commence à faire. En tout cas, bon, les mis à jouer, ça, on est tranquille maintenant. Joueur 1, c'est notre ami Zana qui joue Zana. Elle envoie une pastèque avec deux à deux de dégâts pour déjà tomber celui-là ici. Voilà. Ensuite, euh, est-ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5, malheureusement, je n'ai pas 6 d'achat. Ce n'est pas forcément grave. Parce qu'avec 1, 2, 3. Non, avec 4, je vais prendre une gemme comme ça. Voilà. Et avec ça, je vais mettre un autre token sur là. Je vais mettre un token ici. Voilà. Ça me paraît pas mal, ça. Un token, un glyph, pardon. Une carte. Et Je pioche 5 cartes avec mon ami Zana. Hop, je me retrouve du coup avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pendant 7 forces de frappe en termes de dessous. Ce qui est plutôt cool. Et enfin, pour finir, il me reste une fois ta crainte, et après, il me restera une autre fois ta crainte du coup. Donc là, j'enlève une étincelle, hop, je te tutoie. Paf, voilà. Euh, une étincelle sur toi, l'autre qui reste. Voilà, tac. J'ai combien de force de frappe J'ai 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6. Pour 6, je dégage ça. Je vous posez même pas de questions. Voilà, et euh, est-ce que je prends un point de dégâts pour faire retirer une carte à un allié Ça peut être intéressant. Euh... Ah si, Xaxos prend une charge aussi, là, avec ça. C'est pour ça que j'ai pris ça. Voilà, Xaxos est déjà à 3 charges, il en manque pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Encore 5, mais... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Du coup, la question est, c'est est-ce que je fais prendre un point de dégâts à Takran Euh, bah du coup, j'ai plus de sort préparé en main, donc c'est pas la peine. Pour faire piocher une carte à Azana, qu'est-ce qu'elle a, Azana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a 7 de force de frappe. Elle pourra s'abrèchera tout de suite à 7 de force de frappe, c'est intéressant. Est-ce que je lui fais piocher une carte euh, Non, je prends pas de dégâts, pas tout de suite. Je fais ça comme ça pour que la carte revienne le plus vite possible. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, hop. 1, je me retrouve avec 3-4 d'achat et un gros sort. C'est cool parce que, du coup, après, c'est forcément à toi de jouer. Voilà. Et du coup, avec mon sort, je vais le mettre ici. Voilà, préparé là. Et là, avec 3 des avec 4 des je vais acheter ce sort-là. Et donc, tout ça va déclencher. Je vais faire déclencher ça pour, sur crainte, bien évidemment. crainte, il va gagner une charge qui va donner tout de suite à Xaxos. Voilà, on a atteint la moitié de, de chez Xaxos. Et je vais acheter, donc, déjà cette carte-là que je mets dans ma défausse. Plus gagner une carte qui coûte trop au moins de n'importe quelle pile. Et je rends, je rends les, les glyphes à Zana. Et je prends la même. Et je mets ici. Voilà. Comme elles sont couplées maintenant l'une avec l'autre, il y a moyen de faire du, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts avec ces deux-là. Il ne faut pas non plus que je me concentre trop sur sa strat cette stratégie-là, parce qu'il faut quand même que j'ai des sorts pour. Un... Euh, pour, pour pour blesser les créatures parce que là il là, y a quand même du monde et j'ai pas beaucoup de créatures j'ai pas beaucoup de sorts en jeu euh, pour pour les blesser quoi Allez, nouveau tour de jeu hop joue 1, zana alors zana qu'est-ce qu'elle me propose de faire zana, zana voilà on n'a pas grand chose à faire avec zana pour l'instant cela dit j'ai quand même 3 ici 3, 4, 5, 6, j'ai 7. 7 d'achat. Alors, déjà, pour 2, j'ai utilisé 2 cristaux. 1, 2 cristaux, là. Pour voir si celle-là, c'est une illusion ou pas. Elle est vraie. Ah bah putain. Ok. Donc, il me reste 1, 2, 3. 3 d'achat. Bon, pour 3 d'achat, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Perstorm avec toi. Ok euh, je vais faire gagner une charge avec celle-là, Axaxos. Voilà. Et avec ça, je vais placer un glyphe. Un glyphe qui permet de faire gagner une charge. Et je vais me concentrer là-dessus. De toute façon, tant qu'il y en a là-dedans, après, j'arrêterai là-dedans. Voilà. fin de gagner une charge. Voilà. Dans quel ordre je mets ça J'ai envie que ça, ça revienne tout de suite. Avec ça, ça, et je mets ça comme ça. Voilà. Ok, faut pas que j'oublie non plus les sorts quand même, les sorts de, de grand 4 là qui sont très puissants, cela dit. Voilà, là j'ai quand même, j'ai quand même 5 de mana avec ça, donc euh, il y a moyen de se faire plaisir. Joue 1, c'est de nouveau Zana. Alors Zana, elle a toujours pas de sort, elle va mettre une étincelle ici, cela dit si. C'est pas terrible. Je fais gagner une charge à avec, avec ça. Voilà, donc Zaxos est du coup à euh, quasiment fini. J'ai 2, 3, 4, 5 terres Pour 5 déterres, euh, alors 5 déterres, je peux stabiliser la brèche d'un joueur. Ça peut être intéressant d'avoir cette relique là. Ou je reprends cette carte là. Je vais peut-être reprendre cette carte là. Voilà. Bon, j'ai euh, Zana qui a vraiment une main euh, 100% mana. Euh, les seules fois que j'ai tenté de faire ça, ça s'est très mal passé. Euh, mais bon. Là, du coup, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4. Un Sort 4 5 6 j'entends avec 6 éthers 6 éthers mais malheureusement ben joueur 2 alors joueur 2 là je fais deux points de dégâts deux points de dégâts sur toi 1 2 tac ensuite 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 j'ai quoi une étincelle ici une étincelle ici je peux j'ai je gagne 4 des et xassos gagne une charge donc 4 des Donc 1 exact, euh, exact gagne une charge. Euh, je peux prendre un point de dégâts pour faire piocher une carte à un allié. Moi, j'ai 4 déter. Est-ce que j'ai envie de prendre un dégât Non. Par contre, pour 4 déter, euh, je vais me prendre. Bah, si, pour 3 déter, euh... je vais me prendre ça. Et du coup, gagne une charge et la donner à avec ça. Hop là. Voilà, a, il est complet. Donc, comme il est complet. Il me restera un déterre, il me reste un déter. Hein, encore. Je vais voir ce que je peux en faire. Sauf que Xaxo, c'est temps complet. On va déclencher sa puissance. Twisted Flame. Alors. je l'avais remélangé. C'est dommage, de gaspiller là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. N'importe quel... Ah, attends. Ça va pas être intéressant. N'importe quel joueur peut lancer un sort pareil, sans le défausser, et, le... Et, le... et répéter ça deux fois. Donc je peux le lancer, ça fait 1, 2... 3, 4, 5, 6 points de dégâts. 6 points de dégâts, j'ai quand même moyen de faire du. De, de dégager des trucs. Ou alors, deux joueurs différents peuvent gagner une gemme qui coûte 5 ou plus, 5 ou moins pendant les mettre dans sa main. Est-ce que j'ai envie de taper sur les, les, les trucs ou est-ce que j'ai envie de gagner à mon, ah Non, regarde ce que je vais faire. Je vais faire ça et ça. Une pour toi, une pour toi. Et je la mets dans ma main. Comme je la mets dans ma main. Hop, du coup je me retrouve avec quand même 3 d'éther en plus, ce qui me fait 3, 4, j'ai 4 d'éther que je n'ai pas utilisé. Donc 4 d'éther, qu'est-ce que je vais acheter pour 4 d'éther euh, Je vais acheter pour 4 d'éther... Cette relique-là qui permet de stabiliser une brèche alliée, voilà. Donc là, c'est plutôt cool, parce que ça m'a permis de gagner une carte avec ce pouvoir-là de Xaxos. Tant pis, pour les... Tant pis pour les dégâts. Mais du coup, je me dis que maintenant, j'ai quand même une belle, euh, une belle main de mana, que ce soit comme l'un comme pour l'autre, pour gérer euh, les différents cas qui peuvent arriver. Et là, je me retrouve avec ça, c'est plutôt cool. OK. Joueur 2, Allez, joueur 2. Hop, une étincelle. Tu tues celui-là. Il va dans la défense ici. Je n'ai toujours pas attaqué l'Animélie, cela dit. dire Ensuite une étincelle, on va tuer celui-là. Voilà. On va tuer, on va le descendre celui-là. Voilà. Et j'ai le droit à ça. Donc je mets un ici un et un ici. Bah, sur le même. Hein. Je les mets sur la même, la même, la même brèche, peu importe. Hein. Qu'ils soit là ou là, je n'ai pas d'autre truc. Donc j'ai trois, euh, trois cristaux avec moi. Trois étincelles avec moi. Euh... Je reprends un pair storm. Voilà. Du coup, on a vidé le, le truc, là. 1, 2, 3. 4, 5. Maintenant, il va falloir que j'essaie de me concentrer pour prendre des cartes qui permettent d'épurer mon deck. Ouais. Ah bah tiens, le persan qui revient ici. Enfin, du coup, Nemesis. Et sans surprise après, normalement, ça sera aussi la Nemesis qui joue deux fois de suite. Ça, je ne peux pas y faire grand-chose. Alors, Nemesis, du coup, bah là, il se passe rien, il ne se passe rien. On tire une nouvelle carte. Alors, là quand un joueur euh, ou Grévol doit subir des dégâts au début du tour de la Némésis, ce joueur subit un dégât en plus. Donc, tant que c'est en, en, en place, il y a ça. Donc, quand un joueur ou Grévol doit subir des dégâts au début du tour de la Némésis, pourquoi début la Némésis eh ben oui, ça, au début du tour de la Némésis Ah eh bah oui, parce que ça, d'accord, parce que ça c'est au début du tour de la Némésis, oui. Donc ça c'est bonifié de plus 1. Ah, mais je, non, j'ai oublié de faire ça, parce que je suis con. Au début du, du tour, effectivement, j'ai oublié de faire ça. Euh, là, euh, d'ailleurs, ce que j'ai pas oublié tout à l'heure aussi. Ah, je me demande. Euh, du coup, lui, c'est un mignon de type. Euh, on sait pas quoi. Euh... Euh, bah, de toute façon, c'est 1 et 1. Du coup, Gravel prend un point de dégâts. Voilà, tac. Et là, un joueur prend un point de dégâts. Je crois que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. J'ai oublié, oublié, quand j'ai joué à la Nemesis, quand j'ai mis la carte, cette carte-là dessus, j'ai oublié de faire ça pareil tout à l'heure. Ça fausse un peu la partie. Mince. Bon, pas. On continue. Euh, du coup, et un jour prend un point de dégâts. Alors Est-ce que ce jour, ça peut être intéressant que ce soit toi qui le prenne Oui. Hop. Pourquoi faire Pour faire déplacer ça. Je stabilise ma brèche. Je prépare un sort préparé. Ah oui, je prépare un sort préparé. Hop sur ma brèche. Je vais tout fermer. Je prépare. Après, ça va savoir que sur la seconde fois. Hein. Si c'est la seconde fois que vous lancez un truc sur tour si ça fait plus de dégâts. Donc il ne fera, il fera, il fera que 3, il ne fera pas 5. Mais ça fait quand même 3, c'est toujours, toujours plus intéressant. Okay, je prépare ça ici, comme ça. Donc on met cette carte là, et c'est bon. Ensuite, là, de nouveau l'Amesis. Donc là, du coup, maintenant, ça c'est en place. Là, ça fait deux points de dégâts à Grévol et 2 points de dégâts à un joueur. Deux points de dégâts à Grévol, ça tombe à 16. Et deux points de dégâts à un joueur, cette fois-ci, je les mettre sur Zana, parce que ta craint, il ne faut pas qu'il descende trop bas non plus. Ok. Hop, là, on dégage ça. Et on met une nouvelle carte en jeu. Alors, on place un tral en jeu et on lui donne deux points de vie en plus. On met un tral en jeu. Voilà. Et il a 6 points de vie et pas 4. Ok. Bon. Gravo est à 16 points de vie. Il euh, va falloir que je maintenant que j'essaye de monter des charges. Donc ça c'est la défausse. de Xaxos ici. Je sais que je, je monte des charges pour... Euh, C'est que c'est une illusion, mais ça, ça vaut peut-être le coût de la clé de déter pour voir si ce n'est pas une illusion, en fait. Allez, joueur 1. Euh, joueur 1, oui, joueur 1 du coup. T'es nouveau joueur, je vais dire. Euh, je fiche 2 dégâts. Alors, deux dégâts, je vais les mettre sur toi. Hop, voilà. Attends. Attends, parce que là, je fais 2 et 1, 3 dégâts. Ça va pas mieux de les mettre sur toi. Un, 2, voilà. pour être sûr de te one shot, toi. Voilà. Tac. Ensuite j'ai euh, beaucoup, beaucoup de beaucoup de magie. Donc j'ai 3 et 3, 6, j'ai 7 d'éther. J'ai au moins 7 d'éther. Au moins 7 déter avec ça. Donc pour 7 d'éther, j'en claque 2 pour savoir si lui est vrai ou pas. C'est un vrai, c'est pas possible. Ils sont tous vrais. Euh, il me reste donc euh, 5 d'éther. 5 et 1. Un... Ah bien j'ai ça. J'ai 5. 6, 7, 7, je ouvrir la brèche, tout de suite la brèche 3 de Zana. Voilà, je ne je, je déplace pas de glyphe, mais j'ouvre la brèche. Hop là. Voilà. 3, 4, 5. Et je sais que mon trésor est juste derrière ici. Attends, j'ai une carte en trop là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, là. Tu pour donner une charge avec Xaxos. Encore 3. Il y a beaucoup, elle a beaucoup, beaucoup de. Je vais arrêter de me concentrer maintenant sur la mana avec Zana, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de mana. C'est pas la peine de continuer à l'en donner. Joueur 2, alors là, la puissance de la fonque. Donc là, ça fait 2 deux, deux et un 3 de dégâts. Parce que ça, donc 3 de dégâts, pouf, ça atomise celui-là. Euh, dans la défausse, là, derrière. Ensuite, ça s'est lancé. Ensuite, là, je fais 2 et un 3 de dégâts. Pour celui-là. Et là, je fais 2 et un 3. Et 2. Attends. Là, je fais 5 euh, dégâts avec celui-là et 3 avec celui-là. 5 dégâts avec celui-là, ça, ça l'amène là. Et sur celui-là, ça le tue. Voilà, je fais ça comme ça. Et ça, ça va. Là. Ok. Pourquoi bah Parce qu'ils font plus 1 de dégâts grâce à mon trésor de rang 2. Et euh, le premier, il faisait 2 et 1, 3. Et le second, comme c'est le second, je lance, il fait 2 et 2 et 1. Voilà. Je me retrouve avec trois perstorms l'un après l'autre, c'est plutôt cool. Euh, je vais pouvoir mettre ça ici. J'ai trois déterres. Trois déterres. Que faire avec trois déterres pour mon ami, euh, ami Tacrin Je vais peut-être ouvrir des. Ah non, je vais prendre, euh, je vais prendre le carnivorus machin là. Pour pouvoir commencer à dégager les cartes de ma main. Ouais, je peux être sur une carte de ma main qui coûte. Je peux être une carte de ma main et gagner autant, autant de, de déterres que ça ne coûte. Bon. Au moins, mais ça coûte 0, c'est pas grave. Au moins, ça me permet de détruire des, 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 des cristaux et des gemmes de ma main qui ne me servent pas, qui sont pas très intéressantes. En tout cas, moi ma, ma de la partie, ça commence à être de moins en moins intéressant. Je me retrouve avec un cristal, son exotique amplifieur, le truc qui fait gagner une charge à Xasso gagner deux. une gemme et je me retrouve avec ça pour stabiliser la brèche d'un allié. Ou de récupérer une carte de ma défausse qui coûte 6 ou moins. Ça, c'est plutôt aussi intéressant, ça. Qu'est-ce que j'ai dans ma défausse qui coûte 6 ou moins qui pourrait m'intéresser bah, Des cartes, des, des cartes de pouvoir ou ma carte de ma relique que je viens d'acheter. Alors Nemesis, au début du tour de jeu, on a ça et ça. Donc là, c'est un mignon qui s'appelle euh, le Shumbling Infantry. Shambling Infantry, c'est un point de dégâts sur un joueur, donc deux points de dégâts sur un joueur. Euh, bah, c'est toi qui vas les prendre, les points de dégâts. Un, deux. Et du coup, comme c'est toi qui les prends, je peux déplacer ça. Donc je vais faire gagner une charge. Et la charge, je la fais gagner avec Xaxos. Qu'on attend ça charge Xaxos sans charger les joueurs, mais bon, parce que c'est quand même très très balèze. Mais ça vaut assez le coup de charger les joueurs. Je retire ça. N'importe quel joueur défausse une carte de sa main et gagne une ah, un curse shard à la place. Mince, euh, ben toi, tu vas faire défausser un cristal à ah, ta crin pour qu'il gagne. Euh, il, il gagne, il va où le truc à la place? Discard une gain, et gagne. Ok, donc quand tu gagnes, tu mets ça dans ton, euh, dans ton deck ici. Voilà. Et on tire une carte, Mais évidemment. C'est un monstre. Harbringer of Monstruosity. 8 points de vie. Quand un joueur fait des dégâts, ce mignon, ils sont réduits de 2 jusqu'à un homme de 1. Gravo suit 2 dégâts. Un joueur défausse ce carte de sa main. 8 points de vie. Ok, donc là, il faut l'asmalter le... assez rapidement. Après, j'ai toujours pas commencé à taper sur le boss. Il euh, va falloir que je commence à, à y faire quelque chose. Joueur 2. De... Alors, joueur 2, de... bah tiens, ça fait 2 points de dégâts. Je mets tout de suite sur toi, là. Hop. Comme ça au moins là il n'y a plus de trucs en jeu, je suis tranquille. Alors j'ai quoi Pourquoi j'ai une carte en moins en main euh... ah, parce que j'ai défaussé un hein, pour gagner un truc. Oui c'est bon, ça y est je vais. Je peux stabiliser la brèche d'un allié ou je peux récupérer une carte de ma défausse qui coûte 6 ou moins. Là j'ai potentiellement 3, 4, 5, 6 d'éther. 6 d'éther, euh, je pense que 6 d'éther, je vais gagner. Euh, je peux gagner 6 d'éther. C'est très balèze, ça. Un temps' of Inside, ça fait quand même 5 points de dégâts, ce qui n'est pas dégueulasse. Et du coup, ah, est-ce que ça marche ça non, parce que la carte que j'ai gagnée, oui, la carte que j'ai gagnée, je la mets dans ma défausse tout de suite. Donc là, par exemple, je pourrais récupérer une carte de ma main qui coûte 6 ou moins. Ça marche, ça. Quand j'achète, je mets une carte dans ma défausse. Tiens, depuis le temps que je joue à ce jeu, franchement, j'ai toujours un doute là-dessus. Mais oui. Tout à fait. Quand on gagne une carte, il est immédiatement positionné dans la défausse. Ce qui me permet de, qui me de faire ça. De jouer ça, de récupérer une carte qui coûte 6 ou moins. Et de la remettre dans ma main. Hop là. Voilà. Et. Euh, et bien c'est tout. J'ai fini. Donc ça c'est dans ma main. Et ça c'est joué. Voilà. Donc. Ça. 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 Et ça. Il faut que je. 3, 4, 5. 3, 4. J'ai ça en main déjà. C'est plutôt cool. Voilà. Ah <laughs> ma truc qui part en sucette. Je me retrouve avec quatre sorts par contre. Là, ce n'est pas cool. Parce que j'ai que deux sorts deux brèches ouvertes, donc il va falloir que je commence à avoir des brèches avec, avec lui. Je vois 1. Donc elle fait 3 points de dégâts. 4 points de dégâts. 2 parce qu'elle est là. 1 et 1. 4. Donc 4, on met ici, c'est réduit de 2. Donc 4, il en prend que 2. voilà bah, je vache quand même la un peu fort lui. Ensuite, j'ai quoi J'ai euh, ça. Je gagne 2 déter, je gagne 5 déter, 6, 7 déter. Et Xaxos prend une charge. Déjà de base avec ça. Et là, j'ai gagné 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 déter. 8 déter, pour 8 déter, j'ai gagné 4 charges. Pourquoi Parce que Grévol a quand même bien besoin d'être soigné. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc je, je remplis mes charges ici pour pouvoir soigner euh, Grevold avec, euh, avec Zana. Hop, 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 je mets ça dans le sens-là pour que ça revienne au plus vite possible. Et je pioche des cartes. 5 cartes, une, de trois. Pareil, peut-être qu'avec Zana, il va peut-être me falloir une, une carte pour épurer mon deck. Nemesis, alors du coup, là, Grevold prend 2 points de dégâts. Voilà, comment une urgent de soigner Grevold. Et euh, un joueur défaut une carte de sa main. Alors on va y voir qu'est-ce que j'ai euh, Avec Xana, j'ai 6 de mana et avec toi j'ai bah, défausse une étincelle. Voilà, je ne m'embête pas de... Après, cela dit j'ai un cristal qui ne me sert à rien. Hein. Donc le cristal, si tu veux, euh... mais bon l'étincelle, ça me... ça me gâche une carte parce que je pourrais pas... Je pourrais rien en faire. Donc on est comme ça. Le cristal, je ne pourrais rien en faire, mais l'étincelle non plus. Donc euh, hop, on mélange ça. Alors là, à ce moment de la partie, je ne peux pas vous dire si on est bien ou pas. Euh, on a quelques cartes offensives par contre. On n'a toujours pas descendu notre ami euh, Le Chevalier. Donc il serait temps de, je pense, commencer à le taper au moins une fois. Hein. Hop. Tacrin. Tac, donc là, le 7 là, il ne sert à rien. Je mets un pair de Storm ici, le turn off inside ici. Mon étincelle, je la garde en main parce que j'ai qu'un des terres, je ne peux rien en faire. Cet terres je le consomme dans le vide, ce qui me permet de piocher une, deux, trois, quatre cartes. Et d'avoir cinq cartes. Je me retrouve avec deux de Storm lancés, ça c'est plutôt intéressant. Je commence à le, à le descendre le boss là. Nemesis. Alors là, Gravel prend deux points de dégâts, Gravel tombe à 12. Il commence à y avoir une urgence et un joueur défaut une carte de sa main. Alors du coup, bah, c'est pareil. Non là je peux garder mon étincelle. Et euh, du coup, autour de toi, est-ce que... De 3, 4, 5, 6... Non, j'ai quand même besoin de toutes mes toutes mes étincelles. Euh... Bah, c'est toi qui va, perdre une... qui va perdre un cristal. Voilà. Monter une nouvelle carte. déchets deux fois. Donc on va mettre en place deux trucs. Une, deux. Donc un, deux. J'espère tomber sur des illusions au bout d'un moment quand même. Ah, j'aime pas ce que je vois. Le joueur qui a le sort préparé le plus cher défausse ce sort et subit 2 points de dégâts. Donc, bah, c'est toi, on défausse le sort, on prend 2 points de dégâts, on tombe à 4. Et comme je prends des blessures, ça me permet de faire ça. Je préparais un sort sur une brèche où on tout fermer. Mais je vais préparer tout de suite le Path Storm ici pour pouvoir faire un gros sort qui va bien. Faut que je le charge aussi pour qu'il se soigne. Oh putain, Nemesis. Ah, c'est parti. Alors, au début du tour, du coup, on fait ça. Donc, c'est deux soldats à Friot. Soldats à Friot, c'est Grevol. Grevol prend donc un point de dégâts. 11. Je vais perdre à cause de ça, je le sens venir. Lui, Grevol prend deux points de dégâts. 9. Oh putain. Et un joueur défausse une carte de sa main. Euh, le cristal de euh, Takra. Dépenser 8 pour le dégager. Il y a 2 deux, deux de puissance. Euh, Déchaîne deux fois. Gravel subit 3 points de dégâts. N'importe quel joueur récupère un Curse Bolt du deck maudit et le met au, au sommet de son deck. Ce n'est pas tant le Curse Bolt qui m'inquiète, c'est plutôt le Gravel de prendre 3 points de dégâts. Gravel est à 9 points de vie. Il faut que j'accélère un peu là, sur le soin de Gravel. L'avantage, c'est que là, on a déjà eu deux fois la Donc on est tranquille pendant 3 euh, tours. Joueur 1, Sesana. Zana, Zana, elle n'a pas de sort à lancer, Zana. Elle va mettre son étincelle ici, du coup, elle va 3, 4, 5, 6. Alors, pour 2, elle va ici, pour 2, hop, il reste 4. Elle va lancer son, son sort. Donc, Gravels gagne 5 points de vie. Il monte à 14. On respire un petit peu. Euh, il me reste, j'ai 3, 4, 5. il me reste 4 terres Et 4 terres je vais les donner ici. Je vais faire 1, 2, bon. Toi. Sauf que son. J'ai pas fini. On met deux, deux glyphes, pour sauver n'importe quel, euh, quel truc. Alors, on met deux glyphes. Euh, je vais mettre ça qui vous des brèches, ça va être intéressant. Je vais mettre ça, donc il me faut, il me faut des sorts. Je vais mettre ça. J'ai combien J'ai aucun sort avec toi. Je vais mettre ça ici. Il... 3 points de dégâts, 3 points de dégâts. Si c'est vite, ça fait un dégât de plus. Alors, ça, ça c'est très très bien aussi. Ça me permet de lancer un sort préparé en fait. Quand j'achète, ça permet de préparer un sort et de le lancer dès que je l'ai acheté. Donc, c'est plutôt intéressant. Et j'ai dit qu'il fallait que j'essaye de gagner. Non, je vais faire une charge et je vais faire une stabilisation de brèche. Pourquoi une stabilisation de brèche sur celui-là pour l'acheter Parce que euh, là, j'ai un problème de brèche avec lui. Je n'ai pas de brèche assez ouverte avec lui. Et je prends, j'ai tout utilisé. C'est bon. Donc, on est bien, on a soigné Gravold. Je me retrouve avec ça au prochain tour. Est-ce que j'ai est 8 de mana J'ai 2, 3, 4. Ah non, j'ai 7 de mana. Mince, j'ai pas assez pour dégager celui-là tout de suite. Euh, non, j'ai pioché une carte Némésis, pas du tout. Joueur 2. Alors là, c'est parti pour la toute-puissance. Donc j'inflige 2 et 1, 3 sur toi. Toi, tu m'emmerdes. 2 et 1, 3. Ça fait que tu prends que 1. Et du coup, là, j'inflige 2 et 1, 3 plus 2. Ça fait 5. C'est réduit de 2, 5, ça fait 3. Donc il te reste 2 points de vie. Putain t'es super résistant, t'es un, un, un petit peu relou toi Ça permet de me remettre une percée ici et ça. Voilà, fin du tour de ta crainte parce que j'ai défaussé les cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec ça, c'est bien ça. Il sur une carte de, la main, ah, de ma main. Du coup je peux détruire un cristal. Au moins ça, ça me permet de, de dégager mes cristaux. Et de nouveau, Zana. Zana, elle fait 2 points de dégâts, 1, 2. Euh, bah, je les mets sur toi, donc tu sais que tu n'en prends qu'un. Putain, ouais, mais n'en prends qu'un, mais bon, du coup, je n'ai pas le choix si je veux te tuer. Hein. Après que, après, ouais. Après eux, c'est des dégâts sur les joueurs. Donc, bon, ça va encore. Pas, pas grave, qu Ce n'est pas Grévaux qui prend. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité avec Zana Zana, j'ai 3, 4, 5, 6 éthers. Donc, je mets mon Père Storm ici. Euh, je peux mettre 2. Alors, je peux acheter, je peux mettre 4. Je peux 4 déter, 4 déter, je, je vais gagner 2 charges à Xaxos. 1, 2, c'est pas mal ça. Est-ce que j'ai envie de mettre des glyphes Est-ce que j'ai envie, de des... envie de mettre des glyphes Qu Qu'est-ce euh... Qu que, peux... Qu que je peux acheter J'ai 3 déter avec toi, ça peut-être le coup de me charger en glyphes. Je vais faire ça pour récupérer un truc qui coûte 3 moins, donc on prendre un autre peut-être. Et ça pour préparer un son de la main. Et là, ça va ça, 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 ça être intéressant. Si c'est mon ami, euh, enfin, si c'est euh, comme ça, voilà. Si c'est euh, mince, euh, t'as craint qui qu qu va l'acheter là-bas. 3, 4, 5, j'ai 100 en main au prochain tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 8. J'ai 8 déters au prochain tour avec cette main-là. C'est parfait ce qu'il me faut pour dégager cette carte-là. Le problème c'est qu'il faut que j'arrive à jouer avant. Il faut que j'arrive à mettre mes pairs aussi ensemble. Hein. Allez, qui c'est qui joue Qui c'est qui joue C'est le joueur 1, c'est Zana. Zana, elle joue, alors... Euh, elle fait 2 et un 3 et un 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, ça suffit pour le tuer de toi. Hop, parce que c'est divisé, c'est diminué de 2. Donc toi, déjà, tu ne m'emmerdes plus. Et là, j'avais dit que j'avais de toute façon 1, 2, 3, 4, 5, Gaxos gagne une charge. 4, 5, 6, 7, 8. Pour 8, j'en mets ça dans l'ordre, comme ça ça m'intéresse. Pour 8, je vais dégager celle-ci. Et ne pas la jouer. Voilà. Et je pioche des cartes. Il faut commencer à taper le boss. Le boss, on est, on est dans les paliers 2, le boss n'a pas été touché une seule fois. J'ai déterres, 6 était déterres au prochain tour. Ok, donc de quoi remplir ça pour aller Sony Sonic Gravel et euh, Tarant, Xaxos. Sinon, Xaxos, il, il a une charge de pouvoir lancer un nouveau, un nouveau pouvoir. Ah, Nemesis. Alors, il y a deux soldats comme ça, donc ils infligent un, deux points de dégâts à un joueur. Euh, bah, cette fois-ci, c'est euh, Any Player. Hein. Oui, Any Player, donc il prend. Il y a deux trucs, il prend un point de dégâts. Donc ce sont des Chamblis. Ah non, c'est Soldat Frégate, pardon, Soldat Frégate, c'est Gravel. Il y en a deux, Gravel prend un point de dégâts. Pardon. Hop, 13. Et on tire une carte. Oula 11 points de vie pour la bestiole, c'est tu sais quoi ça Ce mignon compte à la fois comme un soldat of fruit et un shabling infantry, donc il compte pour les deux. Il a 11 points de vie et il est réel. On me dit, qu on me dit bien qu'il est réel hein, sur, le, sur le truc ici, là. Pas de problème. Joueur de. Alors, donc, joueur 2. J'ai pas vu si c'était réel ou pas, cela. J'ai pas été vérifié. Euh, oui, j'ai pas été vérifié. Donc du coup, euh, fais voir, comment faire Donc là, je fais 2 et un 3 dégâts. 2 et un 3 dégâts, celui-là, je le tue. Voilà, comme ça je n'ai pas été voir s'il était réel ou pas, mais au moins je l'ai tué. Avec ça. Euh, ça, ça fait un point de dégâts. Je le mets sur toi. Ok, je peux préparer ma main. Ma main, j'ai une, deux, trois. Donc je mets mon point ici. Je gagne un. Je peux détruire une carte de ma main qui coûte... Et une de ma main qui... Je gagne autant d'éther. Donc je vais trouver un cristal. Et je gagne autant d'éther que zéro. Donc j'ai une... Pas terres, mais j'ai un, 2, 3. 1, 2, 3, ça me permet d'acheter un autre. Comme ça, un autre truc route, comme ça, là, avec toi. Et là, du coup, poum J'ai le droit à plein de choses. Je fais plein de choses avec. OK, donc là, je l'ai acheté. Alors, qu'est-ce que je fais Je vais, déjà, faire gagner une charge à Xaxos. Je rends, je rends la, la glyphe à Zana. Donc, là, Xaxos gagne sa charge. Mais avant de pouvoir utiliser son pouvoir, il faut d'abord que je termine complètement l'effet qui a permis de faire gagner la charge. Donc, je fasse tout ça. Euh, je stabilise ma brèche la plus faible. Donc celle-ci, je la stabilise comme ça. Voilà. Je gagne un sort qui coûte 3 au moins de la pile. Une carte qui coûte 3 au moins de la pile. Euh, ça peut être Zana aussi, donc je vais faire gagner ça à Zana, je pense. Hop là. Parce que du coup, quand je joue une glyphe, hein, c'est soit Zana, soit le, le joueur qui a acheté la carte, qui euh, utilise le pouvoir de la glyphe. Et ensuite, je prépare une carte. Je veux préparer un sort de ma main. Euh, non, le lancer, pardon. Cast. Cast any of you prep spell. Je le lance, je lance ça, mais comme j'ai un lancé de ta tour un autre Pine Storm, c'est fait que celui-là a une puissance de 2, 4, 5. Et là, je one shot celui-là. Ouais, je one shot celui-là. Et tout ça, ça a été joué. Ok. Bon, et ça, ça a été joué aussi. Ah, attends. Euh, ok, donc maintenant, je, avant de piocher mes cartes, ça, ça se déclenche. Parce que tous les effets qui m'ont permis de faire ça, de glyphes, ont fini, ont fini de se déclencher. Hop, Xaxos, stack, il va de nouveau pouvoir utiliser une de ses, une de ses capacités euh, plus surpuissantes, qui va être cette fois-ci L'Inbud Aroa. Deux joueurs peuvent récupérer jusqu'à deux cartes défaut, de c'est la main dans leur main. Ou alors, le joueur, c'est le tour, gagne 10 éthers. 10 éthers Ou oh, enculé. Alors attends. Euh, C'est que je peux récupérer deux cartes de la main avec euh, Zana, donc celle-là. Et là, je peux récupérer deux cartes, celle-là et celle-là, pour les reposer le tour suivant. Ou alors le joueur annoncé le tour va gagner 10 éthères. Mais je vais prendre les 10 éthères. Pourquoi Parce qu'il faut que je me soigne. Et donc je vais gagner 2, 4, 6, 8, 10, 10 éthères. 2, 4, 6, 8, 10. Et je, et je les utilise tout de suite pour me soigner. Donc je récupère 3 points de vie. Euh, 3 points de vie, 3 points de vie, 3 points de vie. 1, 2 et 3. On peut faire la monnaie sur la 2, J'ai 5, 7. Je monte à 7 points de vie. Ok. Et je pioche du coup 5 cartes et maintenant. Parce que le tour est fini. Donc Zaxos a des capacités vraiment incroyables. Le problème, c'est que c'est quand même très moins chargé. Euh, du coup, une prochaine main pour Tacrin. J'ai 2, 3. Ah, bon, j'ai mon truc maudit ici. Il faut que j'essaye de me débarrasser rapidement. Euh, ensuite, qui joue Nemesis, alors lui il compte à la fois pour l'un pour l'autre. Ah ben donc du coup ça fait qu'un joueur prend un dégât et Grévol prend un dégât. Donc Grévol prend un dégât. Vu qu'il compte pour les deux. Et un joueur prend un dégât. Donc c'est toi qui va prendre un dégât. Et je vais pouvoir déplacer ça ici. Faire en sorte de gagner une charge. La charge, je la donne tout de suite à Xaxos. Si j'arrive à lancer une 3 capacité dans la partie, je serai content. Euh, ça c'est fait. Du coup, bah, il compte, hein, il n'a pas de capacité spéciale. On tire celle-là. Alors on mélange. La défausse de ça avec... Euh, on mélange... Shuffle the try... Shuffle the try discard pile into the... ah oui, into the deck. Ok, donc je le mets dans le bon sens. Hop, toutes les réels, tous les, les irréels, voilà. Et on va déchaîner deux fois, c'est qu'on va en rajouter deux en jeu. Voilà, donc du coup, même si j'avais compté combien il y avait de, de réels ou d'illusoires en début de partie, rien que cette carte-là me chie tous mes calculs. Mais bon, comme je ne l'ai pas fait, c'est n'est pas grave. Hop, je mélange... Allez, on met deux en jeu. Une et deux. Donc, ce sont deux Shambling Infantry. Enfin, on déchaîne deux fois, en fait, voilà. Deux Shambling Infantry. Euh, eux, c'est... Ils vont taper les joueurs. Alors, ça me va. Parce que, du coup, c'est Gravol qui m'inquiète plus en termes de, euh, de points de vie. Euh, OK. Nouveau tour de jeu. Joueur 1, Zana. Zana, ben Zana t'as quoi Zana, 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 tu vas mettre un sort ici, voilà. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour 6, je vais acheter 3 charges. Que je mets sur elle-même, hein. Voilà, pour pouvoir soigner Grébole de 5 points de vie après. Enfin, après. Là, je suis pas loin de... voilà. J'aurais pu la mettre sur... Euh, sur euh, Xaxos. Mais bon. On a quand même une petite urgence à 12 points de vie sur... Euh, et la Zana, elle retourne, elle retourne encore une belle main. 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'éther et le Perth Storm. Mais bon, je manque, je manque d'offensive. Joueur de... Je manque de, de patates, là. Je manque de patates. Je mets ça ici. Euh, ça, avec ces deux-là. Deux de charge. Deux d'éther et une charge pour Xaxos. Ces deux d'éther me permettent de dégager ce truc-là. OK. Donc, une charge pour Xaxos. Il me reste exactement 4 charges. 4 éthers, pardon, pour 4 éthers, je vais garder ces deux-là. Je vais retourner sur là retourner sur là pour voir s'ils sont réels ou pas. Ou s'ils sont des illusions. Alors toi, tu es réel. Je pense que je n'aurai aucune illusion. Toi, tu es réel. Voilà. Mais comme ça au moins. Attends. Hop, je le mets comme ça pour être sûr qu'il soit réel. On va me rappeler, parce que si jamais je j'en rajoute d'autres, après je, je ne saurais plus. Voilà. Une, deux, 3 4 Et un 5 Ok. Bon. Faut que, faut que je tabasse, faut que j'envoie... Je vous le dis ça depuis, je ne sais pas combien de tours, qu'il faut que j'achète des sorts pour envoyer du pâté. Et je ne le fais pas. Il a 50 points de vie, ça peut vite tomber, hein, 50 points de vie. Hein. On a passé la moitié du paquet Nemesis. Là, après, je pense qu'on est confortable en termes de mana. En termes de mana, on a, on a pas mal de mana. Il faut juste que j'arrive à épurer mon deck. Qu'est-ce que j'ai comme carte qui va d'épurer le deck Pas grand chose. Hein. Mis à part le Carnivorus le route là, j'ai que ça qui me permet d'épurer mon deck. vois 1. Deux points de dégâts pour Zana. Zana, elle fait deux points de dégâts, elle l'effet sur toi. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai J'ai Pine qui est ici. J'ai 4 déterres avec ça. Pour 4 déterres avec ça, je prends 2 charges, tac-tac. Ce qui me permet d'arriver à 10 et de soigner Gravel à hauteur de 5 points de vie. vais faire remonter à 17. On respire. Également, je peux positionner deux... Je peux positionner, deux, euh, je peux positionner deux, deux gemmes, deux, deux trucs. Alors, je vais mettre quoi Je vais mettre euh, la stabilisation de brèche et, la, et, le, et le gain de charge. Par contre, où est-ce que je les mets. Euh, toi, tu as combien de puissance de feu Tu as 1, 2, 3. Tu as 3 de puissance de feu, c'est pas beaucoup. Peut-être là-dessus, sur le carrière sans route, voilà. Je les mets là-dessus. hop. Euh, non, c'est version de brèche, pour pas l'achat de cartes. Voilà. Comme ça, tu pourras acheter ça éventuellement. Et du coup, détruire les cartes. Commencer à détruire les cartes avec ça. Ça dit, il me reste ça quand même. Je peux encore passer deux glyphes. Ou gagner deux éthers. Deux, je gagne gagner deux, deux charges. Je vais stabiliser cette brèche-ci. Non, Zana, n'a pas beaucoup de sorts, donc euh, non, non. Je vais, juste, je vais juste mettre une charge à Xaxos avec ça. Avec mes deux éthers. Je ne vais pas mettre deux glyphes en plus. Je vais mettre une charge à Xaxos ça arrive à 3 charges sur les 8 nécessaires. 3, 4, 5, première main, prochaine main, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 d'éther encore. Une grosse main pleine d'éther, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mais bon. Ouh, j'ai pas eu le temps de... Alors attends, c'est comme ça, voilà. Genre 1. Alors là, je fais 2, et un 3, et un 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Je peux one shot un bonhomme, ce que je vais pas me prier de faire. Hop là, one shot celui-là, voilà. Ok, ensuite, euh, ensuite j'ai quoi J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Exacto se gagne une charge avec ça. Ok. Euh, donc, j'ai 8, je dis 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Je vais prendre 2 Twisted Fang, comme ça. Il faut de la. Maintenant, il faut avoir un peu de force de frappe. C'est bien de devoir tourner des... des cartes comme ça qui permettent de faire du dégât. Donc, je me retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je peux détruire une carte de ma main et gagner autant d'éther. Donc, si j'ai détruit celle-là, par exemple, je gagne 5 d'éther. Mais ce n'est pas très intéressant. Joueur 2. De... Alors, toi, tu fais 2 dégâts avec ça. Tu vas le faire là-dessus. Hop, tu en 6. Ensuite, j'ai quoi Je vais pouvoir mettre ça ici. Je vais pouvoir jouer une, deux, trois déterres, trois déterres où je peux récupérer une carte de ma défaut, ce qui coûte 6 ou moins, je pas envie. Je je peux stabiliser la brèche d'un allié. Brèche... Ah, allié, mince, ben, j'ai stabilisé la brèche de Zana, celle-là. Voilà, euh, et là, j'ai trois déterres, mais pour trois déterres, c'est simple, hein. je vais prendre un point de dégâts, déjà, hop, je peux le faire. Euh, je focus ma brèche qui coûte le moins à ouvrir, celle-ci. Voilà. Et donc, pour 3D -ter, hop, je prends prendre ça là-bas. Et donc, je prends ça. Donc, ça permet de faire quoi, ça Ça me permet de gagner une charge que je donne à Xaxos. Ok. Et genre, la glyph à Zana. Et je vais un peu vite avec la caméra. Et du coup, je sais une brèche qui coûte le, le moins cher. Donc, celle-là, je l'ouvre. Voilà. Et du coup, c'est caméra. Hein. Tant qu'à faire, parce que du coup, autant faire ça correctement. Euh, ok. Donc ça, ça va là. Euh, non, c'est celle que j'ai achetée, donc elle va là. Attends, dire, merde, je ne vais pas être sur ma carte, elle va là. Ensuite, ça, ça va là, ça va là, ça va comme ça. Voilà. Oui, pourquoi j'ai mis les ici Parce qu'au départ je l'ai mis ici et après je commençais à faire mes achats. Et j'ai vu que j'ai ouvert ma brèche 3. Donc tant qu'à faire, cette brèche-là, vu que c'est dans le même tour, en fait, je, naturellement, tu la mets vers la brèche la, qui est la plus puissante. Là, grosseur offensive, grosse offensif offensive au prochain tour, ça c'est plutôt une bonne, une bonne chose. Euh. Alors on va voir. Nemesi, ce qui est normal. Alors Nemesi. Euh, lui il compte pour 2, Donc ça, ce sont des infantry. Donc infantry, on a 2... Donc, un joueur prend un point de dégâts. Ça va être toi qui va prendre un point de dégâts. Tac. Pourquoi Comme ça, j'amène ça ici. Je gagne une charge. Cette charge, je la donne à qui Je la donne à Xaxos. Voilà. Euh, ensuite, euh, il compte comme un, euh, un de l'autre, un Riot. Là. Donc, ça fait un point de dégâts à Grévol. 16 points pour Grévol. Et on tire une carte. Alors, ça réduit de 1 by, 1 by 1. Donc 1, tous les dommages qui sont faits au deck de Nemesis réduit de 1. Pouvoir 3. Euh, minimum de 1, pouvoir 3. ok. Heureusement que ça, ça s'est pas déclenché avec l'autre, parce que sinon je ne l'aurais jamais touché. Ok, donc du coup, tous les dégâts sont réduits de 1. Bon, bah, on va faire en sorte que on fasse quelque chose avec ça. Ah putain, Nemesis. Ouais. Alors du coup, j'avais dit, là tu comptes comme un, comme ça, donc il y en a deux comme ça. Infantry, c'est 1 point de dégâts sur un joueur. Euh, bah, c'est Zana qui prend là par contre. Hop là. Voilà. Là, c'est un point d'égard sur Grévol, même si on a un, il n'y en a qu'un seul comme ça, donc ça fait 15. Là, hop, on tire une pastille. Et on tire une carte. Oula. Alors, immédiatement, déchaîner. Déchaîner, euh, déchaîner comme ça. Là, voilà. 4 points de vie. Donc c'est une carte pouvoir qui déclenche immédiatement. C'est pas cool. Maintenant, ça coûte 3 de les retourner au lieu de 2, les cartes. D'accord, et la pouvoir de 3 n'importe quel joueur défausse 3 quarts dans sa main. Ok, euh, t'as craint, t'as craint, il fait 2 points de dégâts avec ça. Alors, du coup, euh, tous les dégâts sont réduits de 1, ah oui, hein, forcément. Donc, du coup, bah, je fais ça. Hop, voilà, donc je, te, je peux t'en enlever qu'un. Par contre, j'ai une grosse main qui arrive, donc là, euh, je vais mettre un là, attends, un là, un là. Un là, un là et un là. Est-ce que c'est optimal de faire ça? Là je fais... Non, c'est peut-être pas aussi. Euh, euh, attends. Là je fais... Attends, au total je fais combien Si je suis dans cette configuration là, je fais combien Je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je fais 17 avec cette configuration-là. Si je fais quelque chose comme ça. 1, 2, 3.

18, je fais un de plus avec cette configuration là de dégâts. Ok, on va faire comme ça. Je vous expliquerai quand je le lancerai. Et j'ai un cristal qui me sert à rien. Je, je claque dans l'air. Voilà. Pareil, mon ami Tacrain, il va falloir qu'il se ressoigne rapidement. Après, j'ai Xaxos qui n'est pas loin d'avoir une belle. Oh oui Je vais pouvoir dégager mes deux, mes deux cartes comme ça là. C'est bien ça. Xaxos qui est pas loin lancer encore une, une, une capacité surpuissante. Après, avec ça, je fais 18 points de vie. 18 points de vie, franchement, ça vaut le coup de les foutre sur la Nimesis, hein. Allez, qui c'est qui joue Un. Personne ici. C'est pas grave. Euh, donc là, j'ai... Je peux détruire... Je gagne un. Je détruis un cristal. Ok. Ça, c'est bon. Donc j'ai un, deux, trois, quatre... 5, si j'ai 6. Pour 4, je vais gagner 2 charges avec Zaxos. Une 2. Voilà. Et ça va déclencher. Il me restera 2 d'Ether. Je ne peux pas la retourner celle-là parce que maintenant ça coûte 3 avec ça. Donc c'est là. Donc 2 je j'ai juste gagné une charge avec, mon, avec, euh, avec Zana. Non je, non, je la gagne après la charge. Je verrai après parce que tout dépend de la carte qui, qui va être tirée ici. Shatter Rewind. On mélange. La carte hors du tour dans l'ordre du paquet, là, et on gagne deux. Ce joueur gagne deux points de vie, donc effectivement, je peux, je peux soigner toi de deux points de vie. Ou alors, n'importe le joueur tire deux cartes et détruit jusqu'à trois cartes de sa main ou de sa défausse. Ah putain! C'est dommage ce soit pas toi, parce que te, te, si tu te remets là-dedans, ça peut être intéressant, parce que tu gagnes deux points de vie, cela dit. Et donc, tu vas rejouer potentiellement. Sinon, ça peut être toi qui tire deux cartes et je peux détruire jusqu'à trois cartes de ma main ou de la défausse. et je peux détruire trois cartes d'ici, quoi. Trois, euh, trois cristaux, quoi et faire tomber plus vite ça parce que du coup j'ai quand même beaucoup de cartes ici. Je vais faire ça. Ça va être Takrin qui va tirer deux cartes. Une 2, OK et il va détruire jusqu'à trois cartes de sa main ou de sa défausse. Tant pis pour les soins sur euh, sur sur ben, je dire sur, euh, sur Zana. Donc je détruis trois cartes euh, ben, J'ai trois cartes de ma de ma défausse, une, je crée une trois cristaux là. 1, 2, 3, 3 qui sont détruits, c'est bien, ça me permet de faire un petit peu, un petit peu de place. Et pour 2, je gagne 2, je mets ici, sur elle, pour pouvoir re-soigner euh, re Gravol le tour suivant. Ça, ça revient, hop, hop, hop. Ok. J'ai des tas qui sont gigantesques. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 de mana et une intercelle. Joueur 2. Alors, la toute puissance, la que j'avais 18. Comment calcule-t-on 18 donc déjà je lance 2 et un 3 points de dégâts. Parce que le passif qui est là-bas, le trésor. Donc ça fait 3 points de dégâts, je mets ça sur Animesis. 47. Ensuite, je lance celui-là. Comme c'est le second que je lance, il fait 2 dégâts de plus. Il est sur une brèche plus 1. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pour le trésor. 6, 41. Celui-là, je le lance. Ça fait 1, 2, 3, 4. 37. Et là, ça fait 5. 32. Voilà. En une pastèque, 32. 18, c'est bien. Si j'arrive à faire ça régulièrement, c'est cool. <laughs> euh, par contre, moi je me rends compte que j'ai beaucoup de cartes en main. Donc du coup, je vais mettre ça ici, ce qui est normal. Je mets ça ici. Avec ces deux-là, je vais détruire mes deux cristaux qui sont là. Un, deux. Voilà, ça me permet de gagner deux. Donc je suis à 2, 3, 4, 5. Je suis à 5. Pour 5, je vais gagner 2 euh, charges. Une, deux. Voilà, pour me soigner. Parce que j'ai besoin de soins. Hop là. Une, deux. 3, 4, 5. Prochaine main avec toi. Stabilisation de bras d'un allié. Ou alors je peux récupérer une carte de la défausse. Je redétruis une carte qui peut être un cristal. Et j'ai ça pour faire, commencer à recharger Xaxos encore une fois. Ça peut être cool. Même s'il y a quand même beaucoup de cartes ici. Je vois un, Zana. Euh, Zana, oui. Alors, Zana, 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 Zana. le doit être dans celle ici, bien évidemment. Euh, c'est 3 maintenant pour regarder si un truc est réel ou pas. Est-ce que lui, je vais voir s'il n'est pas réel ou pas. Est-ce que j'ai 3 euh, Oui, j'ai 3, j'ai 3, j'ai même 6 même. Donc pour 3, je vais regarder si celui est réel ou pas. Une Illusion, on le défausse. Ah, voilà, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Hop là. Oh, je l'en mets dans le bon sens, donc à faire, tac, voilà. Ça, c'est déjà ça moins. Du coup, il me reste 3 déterres. Ben, je prends une charge que je vais mettre sur elle, sur elle-même. Alors, pour deux, je vais prendre une charge. Et je vais mettre une glyphe de charge. Euh, ou de. Ouais, de charge. Euh, Qu'est-ce que je pourrais acheter Peut-être ça, là. Voilà, pour gagner les charges. J'ai combien, combien de mana avec toi après J'ai pas beaucoup de mana. Euh... Ouais. Ça me sert plus de mettre ça maintenant. Peut-être ça. Encore une fois, peut-être que ta crainte pourra l'acheter celle-là. 5 cartes. Je m'en trouve avec pas mal de sorts ici. Trois sorts. Bon, j'ai de, deux brèches ouvertes, mais celle-là, elle s'ouvre sur 4. Ça devrait facilement s'ouvrir. Nemesis, alors Nemesis, lui il est euh, donc c'est un, ça c'est quoi, c'est un front Infantry, donc il en a deux front Infantry c'est un, un point de dégâts sur un joueur, euh, Zanna qui le prend encore une fois parce que l'autre a que 4 points de dégâts, c'est pas assez et un point de dégâts sur Gravol parce qu'il est le seul euh, Solder of Riot en jeu on retire un pouvoir ici, on retire un pouvoir ici et on tire une nouvelle carte N'importe quel joueur prend 3 points de dégâts, Gravol prend 3 points de dégâts. Alors, n'importe quel joueur prend 3 points de dégâts, ça va être Zana. Là, sur le coup, euh, voilà. Donc là, ça commence à chauffer un peu des fesses. Et Gravol prend 3 points de dégâts, et Gravol tombe à 11. Euh, ok. Je tire la carte. Je viens de la jouer, je l'ai mise là-bas, c'est bon. Nouvelle carte du tour, c'est le joueur de C, euh, Tacrin. Tacrin, Tacrin, il fait 2, 3... 4 points de dégâts ici. Donc, euh, il tue ce 4. Ah, attends. Je pense qu'on va, va finir celui-là. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 points de vie de machin. Ici, là. Donc ça, il est mort. Ça, c'est joué. Il me reste... Alors, je peux détruire une carte qui coûte 0. Je gagne 1 d'éther. C'est ce que je fais. Donc j'ai un. Je mets ça. Je gagne... Attends. Euh, je gagne 2 je gagne terres et pour une charge. Ok. Je peux stabiliser la brèche d'un allié. Ou récupérer une carte qui coûte 6 ou moins de ma défausse. Je peux récupérer éventuellement ce sort-là. C'est pas forcément intéressant. vais stabiliser la brèche d'un allié, je la brèche de... Je vais stabiliser la brèche de Zana, Ici, comme ça. Tac, voilà. Donc ça, ça va là. Et j'ai dit que j'avais combien terres J'avais euh, 3 d'éther, moi. Bon avec ça euh, 3D terres eh je vais acheter ça hop et ça fait gagner une charge voilà voilà du coup après ça il faudrait juste que je m'en débarrasse rapidement putain je suis en train de foutre regarde, <laughs> mon trépied euh, ça je m'en débarrasse rapidement maintenant pour stabiliser mes brèches mais du coup après les dégager quoi voilà hop comme ça ça revient vite j'ai plus que 4 points de vie il y en a... A plus que 3 points de vie, là c'est plus embêtant. Grossement offensif, ça c'est cool. C'est cool, il a envie de faire du gros dégât encore une fois. Et en mettant ça sur Nemesis, bien évidemment. Dernière carte de jeu, Nemesis qui joue. Donc lui, il est réel, c'est un Splendid Infantry, un point de dégât. Donc cette fois-ci, je ne le mets pas sur toi, je le mets sur toi. Tu prends un point de dégât et tu as le droit de te faire déplacer ça d'un truc. Donc je peux préparer un sort dans ma main qui coûte... Euh, je peux préparer un sort dans ma main. Donc je peux déjà éventuellement préparer ça. Oui, parce que j'ai pas d'intérêt à en avoir trois en même temps. En fait, un seul, ça suffit bien. Ça fait des dégâts. Donc je l'amène ici. Euh... Ah oui, attends, c'est pas fini. Oulala, là là, c'est pas fini, c'est pas fini. Ok. Ensuite, ça. déchaîne deux fois. Une, deux. Grévole pour deux points de dégâts. On euh, neuf pour Grévole. Ça, on enlève ça. Hop. Donc là, du coup, ils ont chacun 4 points de vie. On ne sait pas s'ils sont vrais ou pas. Euh, euh, ça, je leur la pastille. Ça, c'est bon, parce que ça s'est dégagé. Il nous contient une nouvelle carte. C'est un monstre, le Nyx, Spin Crusher. 14 points de vie. Il a une gueule, lui. N'importe quel jour, je prends deux points de dégâts, déchaîné, 14 points de 14 points de vie, waouh, on arrive au monstre de rang 3. Euh... Il se peut que si j'accélère vraiment pas à la cadence sur le boss, la partie se perde rapidement. Après, ces 14 points de vie, je vais arriver à les faire, je ne sais pas, à euh, moins de me concentrer sur une habileté de Xaxos qui pourrait m'aider, mais Xaxos, là, le temps que je remonte en charge... Et oui, ces Zana ne se soigne pas elle-même. J'ai rien qui permet de soigner euh, Zana en fait. Il y a juste Tacrin qui soigne lui-même, mais c'est tout. Allez, on voit un peu ce qui se trame. 1, hein, Zana. Zana, elle fait 2 points de dégâts avec ça. 2 points de dégâts. Elle va les mettre, elle va les mettre sur tout... Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire avec tout ça, Zana Zana, elle peut mettre... Euh, elle, a 5 elle a 3 déterres. 3 elle ouvre cette brèche-là. C'est bon avec ça. Ensuite, elle gagne 2 déterres. Et Xaxos gagne une charge. Et avec 2 déterres, elle gagne une charge elle-même elle pour, pour se charger pour Grévolde. Il n'y a plus que 9 points de vie. Et j'ai ça. Donc j'ai un sort ici, un sort ici. Alors attends, du coup, est-ce que c'est mieux de le mettre comme ça ou pas Je fais combien là Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, je fais 11. Et si je fais comme ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, bah, c'est pareil. Donc, je fais pareil. OK. Prochain pour Zana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gagne une charge. Enfin, voilà, j'ai pas mal d'éther. Qui qui joue de l'animesis Ah putain l'animesis <laughs> Ça sent pas bon Ça sent pas bon du tout Ça sent la défaite Alors, il est vrai, il est réel Donc il y en a un seul comme lui Donc c'est un E, c'est les Shambling Infantry C'est un point dégâts sur un joueur. Euh, ça va être sur toi Hop Comme ça Comme ça je me déplace ici je peux gagner une charge Hop, je me rapproche doucement, mais sûrement euh, de mes charges ici. Ensuite, ça, c'est défaussé. N'importe quel joueur défausse trois quarts de sa main. Euh, ben Zana, 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 Zana. Putain, oui, ben Zana. Euh... Ben Zana, elle va se débarrasser de ces trois-là pas le choix. Parce que toi, tu as craint, j'ai besoin de tes cartes, parce que tu as, 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 as toute la puissance là, des, des double bolts qui sont ici. Ça, c'est fait ça, euh, Non, c'est pas fait ça. J'ai pas fait ça, pardon. Là, ça, c'est Gravel Gravel prend un point de dégâts. Il y en a deux. Un, deux. Quand il y en a deux, Gravel prend un point de dégâts. 8. Là, par contre, c'est plus embêtant. Parce que déchaîner, donc j'en un mec comme ça en jeu, donc avec 4 points de vie. 1, 2, 4 oh là là là. et n'importe quel prend deux points de dégâts donc si c'est toi qui prends les points de dégâts c'est fini pour toi t'es es épuisé donc c'est toi qui prends les points de dégâts et euh, bah, je tire une carte en fait hein, parce que oui Ouf. 13 points de vie persistant déchaîné deux fois distorsion smoke réduit à zéro tous les dégâts qui sont faits au pral mais Bien sûr, faisons comme ça. Donc tant qu'il est là, ils prennent rien du tout. Donc il faut que je dégage des illusions. Potentiellement, à des illusions, j'en ai une, deux, trois. Enfin, j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme illusion ici, mais bon. Allez. Ah oh, putain Je te conchis le jeu Je te maudis. Maudit sois-tu du Bon, ben, je crois que la messe est dite, là c'est terminé. Hein. Euh, alors... Donc, du coup, j'ai combien J'en ai un comme ça. Un comme ça, c'est... Euh, Chambering Infantry, c'est un joueur qui prend un point de dégâts. Eh ben, euh, ça sera toi. OK. Comme tu prends un point de dégâts, je vais pouvoir faire ça pour préparer un sort. Voilà. Je vais le mettre ici. Ah, putain Ensuite, les rayotes, il y en a 1, 2, 3, grévol prend donc 2 deux... points de dégâts. Grevol tombe à 6. Putain. Ok, j'arrive à toi, déchaîné. Donc j'ajoute un bonhomme comme ça ici. Je rajoute un énième là-dedans. Donc un énième là, hop, j'ai plus de place, hop, voilà. 4 points de vie. Il y a bien forcément des illusions là-dedans. Euh... Persistant, déchet deux fois. Une fois, deux fois. Comment s'y avoir du monde? On se fait submerger par la bête. Là. Euh... Ah, mais attends, oui, j'ai oublié de faire ça. Player subit deux points de dégâts, c'est ça que j'ai pas fait. Je me sens bien qu'il manquait un truc dans ma, dans ma gestion. Donc un joueur, un joueur subit deux points de dégâts, alors ce joueur va être... Putain, tacrain, qui prend deux points de dégâts. Donc paf, il devient épuisé. Donc, il perd toutes ses charges et il est là. Et du coup, comme il devient épuisé... Alors, est-ce qu'il y a un truc quand un joueur devient exhausted, là, dans les règles Non, c'est le truc classique, hein. C'est de déchaîner deux fois, quoi et deux fois, donc on rajoute deux. 1 et 2. Bon alors là j'ai plus de... Je crois que j'ai même pas assez de points de vie sur les sur les monstres pour les pour leur mettre des points de vie en fait. C'est pas encore perdu, hein, cela dit. Même si Zanna a plus qu'un seul point de vie. Nemis elle a 32 points de vie. Il faut que je... Là c'est un peu du du du, du all-in. Hein. J'ai même plus de, même plus de... de jetons hein, pour les points de vie en fait. J'ai plus de tour 1 pour les points de vie. Donc on va mettre des petites oreilles tiens, de, de l'expérience à 53. Ok. Bon, ben c'est à moi. Maintenant, non, j'ai 3 tours. Alors on va voir. Joueur 2. Alors là, du coup, je fais. Euh, je, je mets tout sur la Nemesis. Hein. Je fais 2 et 1, 3 points de dégâts sur la Némésis. On Tour à 29. Je fais 2, 3 sur un Nemesis. 26. 2, 3, 4, 5, 21. J'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû le faire plus tôt tout ça. Grevol elle a là 6 points de vie. Donc ça va encore. Donc je mets un truc comme ça ici. Je mets ça là. Et là je gagne un déter qui me sert à rien. Surtout je ne prends pas un pot de dégâts, parce que je prends un point de dégâts. Grévol prend un point de dégâts aussi. Ça va me permettre quoi Ça va me permettre éventuellement de gagner une charge ou de Stabbing ça ne m'intéresse pas des masses, donc euh, hop là. Ok, donc là il va falloir que j'essaie de mettre avec euh, Zana, pour que, je ne sais pas pourquoi elle n'a plus que 3 cartes en main Zana, bah, parce qu'elle a des défaut des cartes, si. J'essaie de mettre des glyphs de lancement de sorts en fait, lancer des sorts préparés pour pouvoir la, la tomber. Et 21 ça peut, ça se tente, hein. si les as sont alignés au prochain tour, ça se tente. Hein. Là déjà, là, là j'ai dit que je faisais combien 2 et 1, 3. Sur la Némésis. Allez, on focus la Némésis. Hein. 18. 3 et 1, 4. 14. 3 et 1, 4. Putain, 10. <laughs> 10 points de vie, il me reste ça. Euh, alors, il me reste ça. Euh, je claque, euh, non, j'utilise que 4. Je peux détruire une carte de main, je ne le fais pas. Donc, pour 4, ça me permet de gagner 2 charges. Et j'utilise son pouvoir tout de suite. Ces deux charges, je m'en sers pour 5 points de vie à Agrévol qui tombe à 11. Qui remonte à 11. Et tout de suite, je vais mettre les deux trucs qui vont de lancer des sorts préparés. Sur un truc... Alors, en fait c'est sur toi là, il faut que je regarde. J'ai 1, 2, j'ai 5 terres Donc un truc qui coûte 4 ou 5, peu importe. Euh... Donc truc qui coûte 3 le moins possible. Je mets ça sur le là. Parce que si jamais des fois que je perds des cartes pour une raison ou pour une autre. Comme ça, quand je vais acheter cette carte là-bas, je vais pouvoir préparer des... lancer des sorts préparés. Deux fois. Donc au tour d'après, si jamais c'est lui qui joue, je lance ça. Et après, je prépare des sorts. J'achète la carte qui est là-bas. Et avec les lifs qui sont dessus, je leur lance mes sorts. Mais non, c'est bon, c'est gagné ça. Parce que c'est lui qui joue. Oh putain. Tu la sens la demi-mole là qui est en train de pointer là 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Tu la sens venir là. Mais je pense que je pense que c'est bon parce que là, du coup, c'est Tacrin qui joue. Alors Tacrin, il fait 1 point de dégâts sur un Nemésis. Qui tombe à 9. Il fait 2, 3, 4. 5. OK. Je vais avec ta crainte tout de suite mettre ces deux sorts ici et là. Voilà. Et pour trois déterres, je vais acheter le, Mol le Molten 3 Trois déterres je l'achète, je le mets dans ma défausse ici. Et j'ai droit à ça. Je peux lancer n'importe quelle de mes sorts préparés, je peux lancer n'importe quelle sorte de mes sorts préparés. Donc je vais lancer le Tornado of Insight qui fait 6 points de dégâts et c'est fini. <laughs> Comment vous dire là un petit peu là, le, le, <laughs> le merdier sans nom dans lequel j'étais. Voilà. Donc là, grosso modo, j'ai tout ça, c'était impossible, enfin là, de, de, de m'affranchir de toutes ces créatures, sachant que j'avais même plus assez de points de vie pour les gérer. Lui, il était quoi Lui, c'était une illusion. Lui, il était vrai, donc lui, il était chiant, tout, juste, juste chiant avec ses 14 points de vie. Lui, là, c'était un vrai. Lui, c'était le smoke, donc du coup, je, impossible de les détruire. Euh, là, c'était une illusion. Oh, putain, je après, c'est pas grave. Là, une illusion. Là, un vrai. Une illusion. Et là, le lapin, du lapin. Un vrai. Donc du coup, j'avais quand même. Il me restait quand même euh, à me battre contre... Voilà, ouais, ça, ça, réduis, ça réduisait pas mal, cela dit. Ça réduisait pas mal, mais pas... pas enfin, pas non plus. Voilà. J'avais encore tout ça à me palucher. Mais du coup, grâce, encore une fois, grâce à ça, hein, ça, c'est surpuissant les glyphes, là, comme ça. Hein. De lancer un sort préparé. Là, tu vois, tu en mets deux sur une petite carte que tu peux acheter. Si tu as des gros sorts préparés, que tu des sorts que tu viens de préparer, tu mets ça, tu les lances. Et ben, ce qui, en fait, du coup, c'est ce qui m'a fait gagner la partie. Donc là, j'avais 5, il tombait à 0, et là, j'avais encore 2 et 1, 3, il tombait à moins 3, 3 moins moins points de dégâts. <laughs> c'est limite né à vous, ce breakdown. Hein. Franchement, là, j'y croyais pas. J'y croyais pas trop. Euh, Xaxos m'a bien aidé, cela dit. J'ai ai bien aimé la, la puissance de Xaxos. Sauf qu'il est tombé à des moments où je ne pouvais pas utiliser. La, la, fin, je préférais l'option 1 que l'option 2. Mais du coup, l'option 1 n'était pas assez pertinente. Pas, percutante, pardon, à, 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 à jouer. Quoi. Ah ouais, toi, celle-là, Toussaint Flame, j'aurais bien voulu la voir. T'imagines un un Toussaint Flame sur un, 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 un Père Storm, là Tu le lances sans le défausser bon, Non, ça ne fait pas tant que ça, en fait. Si du coup ça fait comme 2 et 1, 3, 2 et 1, 3, 2 et 1, 3, ça fait 9 points de dégâts. Et en plus, comme tu lances une seconde fois, 2 et 1, 3 pour la première, 2 et 1, 3 et 2, 5 pour la seconde fois que tu lances, donc ça était à 8. 8 et de nouveau 2 et 1, 3, tiens, 11. Avec une carte, tu fais 11 points de dégâts. Avec ça, ça combine à ça, 11 points de dégâts mais bon, faut que t'aies faut que le, le trésor qui vaille bien dessus mais cette combinaison de Perstorm avec le plus simple point de dégâts ouais, je suis assez content de ma, enfin pas de ma trouvaille mais de mon truc ça c'est cool, bon on l'a battu. battu je sais pas comment on a pu le battre, mais on l'a battu hein, ça a été de temps d'axe on va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant en termes de narration parce qu'on vient de finir la bataille 3 alors euh, conclusion de la bataille 3. Lorsque l'ennemi tombe au sol, l'oreille de ses sbires s'en sort en poussière. Il a saisi la main de Kale pour célébrer la victoire. Pour un premier séjour dans le vide, on ne s'avoue pas trop mal. Attention à l'Arzana, le groupe s'arrête net. Vous regardez tous dans la direction que indique et apercevez un des restes tombés s'est au combat, qui s'invite fébrilement. L'être se révèle, se relève doucement et se met à genoux au sol. Son armure clignote par intermittence sous la lumière rouge du soleil. Une flamme violette fantomatique jaillit de chaque jointure de son armure métallique. Les créatures la créature s'appuie sur une large épée pleine d'entailles et marque d'usure de, de ses précédentes batailles. Xaxo se au silence. « C'est le chevalier d'Entrailles !»« Mais pourquoi n'avez-vous pas continué à vous battre à vos côtés ?»« Non. Pourquoi n'avez-vous pas continué à vous battre aux côtés de votre horde ?» demande prudemment Yana. « Faut-il que nous baissons notre garde ?» visiblement en proie au doute. Avant que le groupe ne puisse pas venir à quelconque consensus, le chevalier se relève, retire son épée de la terre où elle était plantée et s'approche tranquillement. Le groupe se met aussitôt en garde en position de combat. Le cliquetis de son armure lorsqu'il marche résonne bruyamment. Il pénètre l'aura protaxée du sort de Xaxos, mais reste à distance rest respectable de vous. Sous son casque, vous voyez une légère fumée violacée s'échapper, et l'être émet un son à peine audible. Je dit le chevalier d'une voix fêlée, comme s'il n'avait pas parlé depuis une éternité. Je Traxire. Traxir demande Ilya. Xaxos est... peut à peine contenir son excitation. Oh, C'est une légende Un mage de la brèche en ancienne gravole Son armure présente des similitudes. Il y avait des rumeurs sur lesquelles lui et le chevalier d'entrailles ne se seraient finalement qu'un qu seul et même être, mais je ne l'avais jamais vraiment cru jusqu'à maintenant. Xaxos fait quelques pas en avant. Vous êtes la preuve vivante que ces rumeurs étaient finalement fondées. Apparemment intéressé, le chevalier s'en vers lui. Un autre que moi, abîmé. Le vide a touché. Perdu ton toit. Non, non, je ne suis pas comme toi, répond vivement Xaxos en secouant la tête. Tu es bien plus que ça. Dis-moi, Athexiar, connais-tu un endroit où la magie s'accumule, une sorte de bassin d'éther pur oui, c'est de là que je viens, » il Zana s'approche à son tour, le reste du groupe suivant de près. Elle paraît impatiente, avide d'en apprendre plus et excitée de, de se sentir si proche du but. C'est donc vrai, dit-elle, la fontaine des âmes est réelle. Et vous venez de là-bas. Traxira acquiesce doucement. Et ça absorbe les terre des mages déchus. Une fois encore, il bouge la tête. Zana serre le tissu de sa cape dans ses mains, visiblement ému, et regarde le chevalier en silence. Ses jambes commencent à trembler, et seul le soutien ferme de Takra l'empêche de s'effondrer au sol. C'est réel, murmure-t-elle. Depuis que nous sommes entrés dans le vide, je sens la présence de mon mari et de tous nos amis tombés au combat. Ils sont vraiment là quelque part. Correct, Axo, euh, Xaxo Sakies. Et voilà pourquoi nous devons détruire cette chose qui les retient. Alors, on me dit quoi On me dit. d'ouvrir le paquet 3D et d'ajouter toutes les cartes à notre baraquement et D'ajouter des cartes habilitées au baraquement de Xaxos. Alors, le paquet 3D, 3B, pardon, c'est celui-là. Alors, on va voir un peu ce qu'on rajoute comme carte pour la prochaine bataille. Son jeu ferait, bien évidemment, comme d'habitude, un, un, une, une présentation de la prochaine bataille des, des cartes qu'on a rajoutées. Mais là, là, je suis vraiment impatient de voir le match que l'on a gagné parce qu'il me, il me, il me hype vraiment celui-là. Alors, on va voilà. Nous gagnons des gemmes qui coûtent 3 qui rapporte 0 elix of Ember, donc pour 2, on gagne 2 éthers, on peut subir d'un dégât, si on le fait on peut détruire une carte de notre main qui coûte 0. Donc ça c'est plutôt intéressant, parce que c'est à la fois une carte qui va nous permettre de gagner les l'éther, mais en plus, de détruire une carte, d'épurer nos cartes qui coûtent 0. Donc plutôt cool. On gagne une relique qui coûte 3 à l'achat. Xaxo Southside gagne une charge, on peut détruire une carte de notre main. Bah là, je pense que la messe est dite. Ça va remplacer avec. Euh, avec euh, je pense que ça va remplacer sans trop de problèmes cette relique-là. Qui coûte 3 aussi. Qui permet de détruire une carte de la main. Bon, on, gagne, on, gagne, enfin, on gagne surtout de l'éther de, de la carte qu'on détruit de la main. Je ne suis pas servi pour ça, cette partie-là. Mais là, du coup, ça va, une, va gagner une charge avec Xaxos. Donc Xaxos, on va pouvoir monter en charge plus facilement encore qu'en qu en claquant de l'éther. Une relique qui coûte 7. Un Inge vortex. Un allié purge 3 cartes. Ensuite, il peut défausser une carte de sa main. Ou alors, on peut stabiliser la brèche de n'importe quel allié. Et n'importe quel allié peut récupérer une carte de sa défausse et la mettre dans sa main. Ça coûte quand même 7, hein, mais c'est assez puissant. Tu peux stabiliser une brèche. Enfin, tu peux, un allié, tu peux faire pêcher 3 cartes à un allié, et après il peut en défausser une. Ou alors, tu peux faire stabiliser une brèche d'un allié et cet allié peut récupérer une carte de sa défausse. Les sorts, voilà ce qui nous intéresse, les sorts. Il y a un sort, du coup, qu'on récupère. Le Radian Conflux, ça fait 3 points de dégâts. Un allié peut... ça coûte 5, hein, donc euh, potentiellement, je ne sais pas ce que ça peut remplacer. Un allié peut tirer une carte de sa main et défausser une carte de sa main. Ok, peut-être remplacer le peut-être qu'il ne va pas vous servir. On gagne des cristaux, parce qu'on gagne un nouveau personnage. Et on gagne surtout bah, le... la carte signature de ce nouveau personnage-là, le nameless siphon. Le siphon sans nom, ça gagne 1. Ou alors on peut défausser une carte de notre main, et si on le fait, on stabilise une de nos brèches. Et on gagne des trésors. Alors, des trésors, hop là, donc ça, je l'enlève. On gagne, euh, avant de gagne, on gagne quoi On gagne des trésors de, de rang 3. Alors ça, c'est cool, les trésors de rang 3, c'est très puissant. Donc, ça, ce sont des passifs que l'on met sur nos personnages. Trésor de rang 1, c'est des cartes qui remplacent des cartes dans nos personnages. Trésor de rang 2, c'est un passif pour toute la partie. Et les trésors de rang 3 sont des passifs. Chaque héros, maintenant, a un, un pouvoir passif. Quand on joue une rookie, une relique qui coûte 3 ou plus, ça fait un point de dégâts. Une fois par tour, lorsqu'on lance un sort qui coûte 5 ou plus, on peut défausser une carte de notre main. Et pour remettre la carte lancée dans notre main. Au début de la partie, on peut stabiliser trois fois une brèche. Ouais, c'est bien ça. Au début de la. Alors, ça, c'est au début du premier tour de la partie. Au début du premier tour de la partie, on peut gagner une gemme de n'importe quelle pile. Et enfin, quand on joue une gemme qui coûte 5 ou plus, on fait 5 points de dégâts. Donc, ça, c'est très intéressant parce que celle-là, je vais les jouer. On fait 2 points de dégâts, pardon. C'est joué un nombre de fois calculable. Xaxos gagne, deux, gagne également deux capacités, deux nouvelles cartes. Le Fortisan Blaze, donc il défausse, oh putain, oui, il défausse une carte de 1, 2 ou 3 d'un million en jeu directement. Donc euh, typiquement euh, celui-là, bah, il peut le dégager. Celui-là, il peut le dégager. Ou alors, un joueur gagne deux reliques de n'importe quelle pile du marché et les met au sommet de son deck. Deuxième carte, oh putain, il fait 10 points de dégâts qui sont divisés euh, comme on veut entre tous les millions. Ou alors 15 points de dégâts à la ah, vache. Allez, temps d'ouvrir l'enveloppe qui nous intéresse. L'enveloppe, on me dit d'ouvrir l'enveloppe 3B. Alors, l'enveloppe 3B, où qu'elle est, l'enveloppe 3B. Euh, hop, là voilà. J'ai hâte de voir un peu le match que nous allons gagner. Alors, attendez. Déjà, hop, voilà. J'essaie de pas déchirer trop l'enveloppe, mais je t'en vais le scotch, mais c'est pas évident. Alors, on y va. Et oui, c'est le match de la brèche que l'on joue. Donc, nous avons des brèches spéciales pour lui. Il est classe, hein. Oh putain, qu'il est classe, le machin. Alors, déjà, il a des brèches pour lui, là, hein, qui sont là. Donc, des... Alors, le problème de ces brèches-là, c'est qu'elles sont du coup un peu moins épaisses que les brèches de base. Un peu con con. Et on, va voir un peu ce on va voir un peu comment, comment il se joue. J'ai Même si mon équipe est performante, suis... celui-là, je vais le jouer. Hein. Je ne sais, sais pas à quelle occasion, dans une partie suivante, mais je vais le jouer. Alors, les... Ah non, les cartes sont. Ah non, c'est la même épaisseur. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a On a des cartes. On a une carte euh, 2, 1, 3 et 4. Alors, on va voir dans quel sens ça se met ça. Alors, du coup, pour ouvrir ces 3, 1 de focus, 1 de focus, 1 pour la stabiliser, K2. Ok, donc c'est la même chose. Close Forge Bridge. Quand c'est ouvert, on gagne une carte qui coûte 4 ou moins. Quand on ouvre la, euh, la 2, on gagne une carte qui coûte 5 ou moins. Quand on ouvre la 3, on mélange notre carte hors du tour dans le paquet hors du tour. Et quand, quand on ouvre la brèche 4, on gagne une carte sort du paquet. Ok. Et du coup, c'est -ce rappelé exactement. Enfin voilà, c'est rappelé euh, ce qui a marqué ici, en fait. Hein. Voilà. Par contre, tu vois que la, la, la brèche 4, en fait, elle n'a pas de, de, plus, de plus 1 plus 2. Voilà, il n'a pas de bonus sur les, les trucs. C'est dans quel jeu C'est dans. Non, c'est pas Dead d'or live. Euh, comment il s'appelle le jeu de baston, là, avec. Euh, Sous le calibre Il y a un personnage comme ça, un peu comme ça, là, avec cette, cette, cette tête-là. Donc, il commence avec 3 cristaux, son, sa carte signature qui est ici, une étincelle, 4 questions d'étincelle dans son deck de départ. Ça. Capacité spéciale, il peut lancer jusqu'à 3 sorts préparés par n'importe quel joueur. Si il a 3 sorts, 3 brèches ouvertes, chaque sort fait un point de dégâts en plus. S'il a les 4 brèches ouvertes, on peut lancer jusqu'à 4 sorts et ces sorts font 2 dégâts en plus. Ok. Donc il y a vraiment le match de la brèche. Hein. Il a une capacité d'utilisation de 5 et là du coup il a une petite mise en place qui est ici. Alors. Ah ben c'est exactement ce qui a marqué sur les brèches en fait voilà. donc, bon. donc quand, quand Traxir euh, il ouvre la, la brèche euh, 1 il gagne une carte du marché qui coûte 4 ou moins quand il ouvre la brèche 2 il gagne une carte, un sort qui coûte 5 ou moins quand tu ouvre la brèche 3 euh, on mélange le taux, la carte de tour de Traxir dans le, taux, dans le paquet d'or du tour et quand tu ouvre la brèche 4 il gagne n'importe quel sort Ouais, bien hypé par ce personnage-là, franchement, il est à la classe. Hein. Je sais pas trop comment je vais le jouer, et si je veux, parce que là, du coup, j'ai quand même une team qui roule pas mal, ces de là roule bien. C'est vrai que du coup, j'ai Q à essayer, et, euh, et euh, du coup, euh, et Traxir à essayer, quoi. Ouais. ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles... J'espère Que ça vous a plu, je sais pas comment vous êtes hypé par ce personnage là. Euh, franchement, il y a une, voilà. <coughs> si vous voulez qu'on fasse une partie avec, qu'on n'importe quel Nemesis, euh, vous le dites, on choisira un Nemesis au hasard, on essaiera de se faire une partie en mode non, non, non histoire <coughs> pour jouer avec. Mais je pense que dès que j'ai fini l'histoire d'outcast, j'ai bien sûr les, les extensions à vous présenter, on verra ça plus tard. Mais lui, lui, il va, il va, il va être joué dans pas longtemps, avec pour la gueule qu'il a. <laughs> ok, moi je vais ranger mon merdier parce que comme d'habitude, il y en a. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop commis de boulettes, je pense que j'en ai commis au départ lorsque j'ai oublié ça. Je ne sais pas si c'est impactant ou pas pour la, la suite de la partie, peut-être. Peut-être bien, mais bon, c'est fait comme ça. Écoutez. Allez, des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.